Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour nos invités. Bonsoir, bienvenue sur le plateau Ça se discute comme chaque mercredi soir. Ils sont en âge de vivre seuls, d'être indépendants, de travailler, de fonder une famille. Mais l'autisme, un trouble du développement dont ils souffrent, fait d'eux des adultes à part. L'autisme reste encore aujourd'hui un mystère qui revêt différentes formes. Certains autistes accèdent à une certaine autonomie, d'autres deviennent des adultes enfermés, emmurés dans leur propre monde. Quelques-uns disposent du langage, de la parole, tandis que d'autres ne s'expriment que par des gestes, des sons, parfois des cris et même de la violence. Les autistes ont du mal à nous comprendre, encore plus de mal à se faire comprendre, et nous avons du mal à savoir ce qu'ils perçoivent exactement de notre société, de nous, et comment ils mesurent et vivent leur handicap au quotidien. Étudié depuis une cinquantaine d'années, ce trouble du développement neuropsychologique a été reconnu comme handicap en France seulement en 1993. Alors, quelle vie pour les adultes autistes? Ce sont donc les questions que nous allons poser ce soir. Quelle place la société réserve-t-elle à ces adultes? Quelles solutions aux familles quand celles-ci ne peuvent plus faire face, quand l'enfant notamment devient violent? Quelle vie sociale est possible pour ceux qui accèdent à une certaine autonomie? Quelle vie pour les autres? Quelles sont les conséquences enfin de l'autisme sur l'équilibre d'une famille? Ce sont des points importants, notamment quand il y a des frères et sœurs. Je vous présente Gaëlle Boutier pour commencer. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle, vous avez 20 ans et c'est votre frère jumeau, Sylvain, qui dans votre famille est autiste. C'est donc votre frère et en plus de ça, votre jumeau. Depuis 6 mois, Sylvain vit dans un centre. Il rentre passer un week-end par mois chez vos parents. C'est un week-end où vous accourez pour ne pas rater une seule minute de sa présence. Vous avez une grande complicité. Vous essayerez de nous faire comprendre ou percevoir ce lien qui vous unit à votre jumeau. Comment vous parvenez à communiquer avec lui, puisque vous vous exprimez parfaitement et lui ne dispose pas véritablement du langage? Non. Mais... non, il ne parle quasiment pas. Mais vous, vous comprenez quand même? Oui, par les gestes. Et puis, il arrive assez bien quand même à exprimer ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et puis, on lui a appris quelques mots. Qu'est-ce qui vous apporte, ce frère jumeau? Eh bien... c'est pas évident. La tolérance, ça m'a appris à mûrir un peu plus vite. Du plaisir aussi? Ah bah, bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais il y a des moments très agréables, des crises de rire. Et il est très, très, très attachant. Donc, Vous l'aimez beaucoup, en tout cas. Oui. À vos côtés, Odile Ripoche. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes la maman de 3 enfants, dont François, qui a 32 ans, qui est autiste également, tout comme le frère de Gaëlle, Sylvain. François ne parle pas. Non. Il est parfois aussi violent. Ça lui arrive. Vous l'accueillez chez vous un week-end sur 3, Odile, et vous assumez toute seule ces moments qui sont des moments épuisants, mais qui vous apportent aussi énormément de bonheur. Et puis, vous vous inquiétez évidemment beaucoup pour son devenir, quand vous n'aurez peut-être plus la force de pouvoir le recevoir, parce que je le répète encore une fois, c'est un garçon qui a des accès de violence. C'est ça. Vous nous raconterez un petit peu plus tard, Odile. Je présente maintenant Erwan Lemoigne. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Bienvenue, Erwan. Vous avez 28 ans. Vous avez toujours suivi une scolarité normale dans un système scolaire traditionnel avec quelques années de retard. Aujourd'hui, vous êtes étudiant en 2e année de sciences économie à l'université et vous espérez trouver un emploi dans ce secteur d'activité, l'économie? Oui, l'économétrie. L'économétrie, pour faire quel genre de métier? Pour être analyste économique, faire des calculs économiques, des calculs d'offres, de demandes, au niveau de l'investissement, de la consommation, de l'épargne. Quelle est votre définition de l'autisme, Erwan? Ben, l'autisme est un trouble du comportement qui génère des angoisses, des peurs et une certaine forme d'anxiété par rapport à un environnement qu'on a finalement peur de ne pas bien connaître et de ne pas bien maîtriser. Et souvent, je ressens parfois des peurs de mal m'exprimer, de ne pas communiquer correctement avec d'autres ou de me faire utiliser parfois par d'autres qui auraient de mauvais sentiments envers moi. Voilà. Vous vous sentez autiste? Ben, je me sens autiste à travers mes propres difficultés dans ma vie quotidienne liées à ma capacité à me concentrer sur les rapports sociaux, de par une certaine fatigabilité lorsque j'ai des contacts sociaux qui durent longtemps, et de par une certaine anxiété que je peux développer, mais qui a été traitée par donc, le docteur René Dufraux, mon psychiatre. On en dira plus tout à l'heure, Erwan. Oui. D'accord.
Notre spectatrice privilégiée ce soir est une grande comédienne. Elle a commencé sa carrière auprès de Maurice Pialat. Elle était très jeune et depuis, elle ne cesse de croiser la route des plus grands réalisateurs. Son dernier film s'appelle Mademoiselle. Il est toujours à l'affiche et je vous le recommande. C'est une très belle histoire d'amour et un beau succès. Cette comédienne est aussi la marraine des journées de l'autisme qui se dérouleront après et après-demain en France les 19 et 20 mai à l'initiative de la Fondation France Télécom. Deux journées donc pour mieux faire connaître l'autisme qui est mal connu, Erwan. C'est assez mal connu, mais aussi pour recueillir des fonds, pour aider évidemment à la recherche, mais aussi aux soins. Les structures manquent considérablement. Je demande d'accueillir Sandrine Bonner, s'il vous plaît. Bonsoir Sandrine. Donc ces journées ont lieu les 19 et 20 mai, journée de sensibilisation. Je précise qu'il y a un numéro Azur pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec la Fondation, qui est le 0 810 19 20 05, qu'on vous donnera plusieurs fois dans l'émission et qui s'inscrit en bas de l'écran. Sandrine, pourquoi est-ce que vous avez souhaité être la marraine de ces journées de l'autisme? Premièrement parce que je suis directement concernée par le problème. J'ai une sœur qui est autiste. Donc je connais ce problème de près. Ensuite, la Fondation France Télécom a fait appel à moi, donc je me suis sentie le devoir de pouvoir soutenir ces deux journées, parce que évidemment, on manque de structures en France, on manque de formation dans les hôpitaux psychiatriques, et à travers l'expérience de ma sœur, j'ai envie que les choses avancent, que l'État fasse bouger les choses. Et ces deux journées sur l'autisme vont permettre de... Parce qu'il y a 65 régions en France où il va y avoir des manifestations. Donc c'est pour sensibiliser les gens, pour récolter des fonds. Et puis... De l'argent pourquoi exactement? Parce qu'il y a... on manque de structure, c'est une chose, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'on ne sait pas diagnostiquer cette maladie. On ne sait pas, on sait, mais on le sait extrêmement mal, par exemple. On en parlera un peu plus tard avec les médecins, mais certains de nos invités ont été diagnostiqués excessivement tard. Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Parce que je crois que c'est une maladie qui est très complexe. Il y a effectivement toute forme de comportement. Il y en a qui sont très recroquevillés sur eux-mêmes, d'autres qui s'expriment énormément, ce qui est le cas de ma sœur, par exemple. Donc voilà, en tout cas, je crois que l'essentiel, parce que je ne sais pas si c'est... Apparemment, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc je crois que l'essentiel pour ces gens-là, c'est d'abord de les accepter et de les mettre dans des endroits où c'est confortable pour eux, où on peut les comprendre, les soutenir et... Donc voilà le but. Mais pour ça, il faut des sous. Il faut beaucoup comprendre. De sous. Il faut beaucoup de sous. Est-ce que vous reconnaissez un peu dans les propos de Gaëlle, qui nous parlait de son frère en quelques mots, nous faisait comprendre comme les sentiments qu'elle avait pour lui? Vous avez toujours été très proche de votre sœur, il me semble, quand vous étiez petite et encore aujourd'hui. Elle a un an de moins que vous. Oui. Quelle relation vous avez avec elle aujourd'hui? De plus en plus difficile, parce qu'elle est allée en hôpital psychiatrique pendant 4 ans, dans un hôpital qui l'a complètement détruite. On lui a donné énormément de neuroleptiques. C'était une fille qui avait beaucoup de capacités, qui prenait le métro toute seule, qui jouait du piano, qui faisait plein de choses. Ensuite, elle est devenue violente, de plus en plus violente. Il a fallu donc la mettre en hôpital. Enfin, il a fallu, c'est tout ce qu'on a trouvé, parce que toutes les structures auxquelles on a fait appel étaient prises. Pas de place, pas de... Donc voilà, du coup, on l'a maltraitée, on l'a enfermée, on lui a donné beaucoup, beaucoup de cachets qui l'ont rendue complètement dépendante et du coup, elle a perdu toute autonomie. Donc les rapports aujourd'hui avec elle sont beaucoup plus difficiles qu'avant, puisqu'elle est de moins en moins consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait. Bon, heureusement, aujourd'hui, elle est dans un centre qui est formidable, qui est à Montmoreau, en Charente. Je fais d'ailleurs partie de cette association, c'est l'Institut Marc Signac. Et j'ai donc fait appel à certaines personnes. J'ai même écrit une lettre à M. Jospin pour lui demander de débloquer des fonds pour cette petite structure près d'Angoulême. Et ça a marché? Ça a marché, mais ça a marché parce que je suis Sandrine Bonner. Et c'est ça qui est terrible. À la fois, c'est formidable. D'ailleurs, je remercie M. Jospin profondément. On dit que dans la vie, il faut utiliser tout ce qu'on a. Hein. Voilà. Ouais. J'ai tardé, d'ailleurs, parce que je suis assez timide. Et je trouve ça toujours un peu dérangeant de s'avancer comme ça, de donner son nom. Enfin, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, donc,
ça a marché pour ma sœur, pour nous, pour notre famille. Mais il y a tellement de gens dans ce cas-là et qui n'ont pas cette chance. Donc voilà, donc d'où les deux journées pour de effectivement... sensibilisation. Voilà. Ouais. Les journées de l'autisme. C'était très clair, Sandrine. Merci. Nos invités à qui nous avons consacré un reportage. D'abord, Gilles Emery et Christian Nigli. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Gilles, vous êtes la maman de trois enfants, dont Amanda, qui est la deuxième, qui a aujourd'hui 26 ans et qui est autiste. Depuis trois ans, votre fille vit dans le centre que dirige Christian Nigli, qui est à vos côtés. Le centre accueille à temps plein une vingtaine d'adultes autistes qui ont entre 20 et 45 ans à peu près, de différents niveaux, parce qu'il y a vraiment différents niveaux. Alors Gilles, ce qui est étonnant, c'est que seulement il y a trois ans, donc en plaçant Amanda dans ce centre, oui, que vous avez pu mettre un nom sur ce dont elle souffrait. Il y a trois ans, je ne pouvais pas vraiment mettre un nom dessus. On l'a placée, c'est le Cotorep qui a décidé de placer Amanda dans ce centre. Ça faisait 4 ans, 5 ans qu'elle était à la maison. Donc il y a trois ans, on vous a dit qu'elle était autiste? Non, on ne m'a rien dit. On m'a proposé un placement pour Amanda dans ce centre. Et c'est en y allant que je me rends compte c'est une variété d'autistes, de personnes différentes, que moi, dans ma tête, je ne savais pas. Pour moi, l'autisme, c'était le mutisme surtout, leur enfermement en soi. Ce qu'a Amanda, la violence, les obsessions, des stéréotypes, une façon de refuser un certain monde et vivre dans son propre monde. Et c'est à nous d'essayer de les comprendre, à rentrer un peu dans leur monde et de les comprendre et les accepter comme ils sont. C'est l'acceptation d'une autre façon d'être. On va regarder un extrait du reportage qu'on vous a consacré et donc qu'on a consacré aussi au centre où vous traitez, donc je disais, une vingtaine... 24 adultes. 24 adultes. Si vous aviez 50 places, elles seraient déjà pleines. Si absolument. Et si vous en aviez 100, probablement aussi. Un extrait. Amanda ? Tu ne me laisses même pas discuter, Amanda. Je m'en fiche. T'as pas envie de venir? Non. Faire de la peinture? Non. Sur tes petits pots? Pour le corps! Excuse-moi, Amanda, je te réveille. Hein. Tu veux vraiment pas te lever? Non. Bon, ma foi, je te laisse. Très amoureuse? Ouais. Et t'as pensé à avoir un enfant, Amanda, toi, déjà? Moi, je voudrais bien qu'il m'en fasse un. On peut pas. C'est pas possible, Amanda. Pour me faire plaisir un coup, il me trie. Ce sont les deux seuls malades ou... autistes, en tout résident. Cas. Résidents. De ces résidents de ce centre qui ont une véritable histoire d'amour suivie depuis combien de temps maintenant? Dimitri est arrivé dans l'établissement au mois d'avril, mais il y en a déjà eu un autre avant. Amanda est à recherche de l'amour. C'est une amoureuse, une aimante qui aime être aimée et qui aime aimer. Mais Dimitri n'a pas l'air de s'en plaindre pour autant. Je crois qu'il est très content. Je pense qu'il a appris plein de choses avec Amanda et qu'ils ont une relation difficile parce qu'ils ont chacun leurs problèmes. Peut-être plus difficile que les nôtres, qui sont déjà toujours difficiles. Mais entre eux, il faut qu'ils acceptent aussi la différence de l'autre, qui n'est pas... Ils n'ont pas chacun les mêmes problèmes. Ils sont très différents. Ouais. Donc, en plus des problèmes habituels, ils vivent ensemble 24 heures sur 24, il faut dire, parce qu'ils vivent dans le même établissement. Donc, ils se côtoient beaucoup. Et ils ont chacun leur différence. Ils passent une partie de leur nuit ensemble aussi? Oui. Une partie, oui. En tout cas, c'est quelque chose qui les regarde. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, c'est autorisé, c'est quelque chose qui... Tout à fait, c'est autorisé dans un espace qui leur est réservé, où leur intimité peut s'épanouir. Je pense qu'en ce qui concerne Amanda, c'est d'abord l'amour, elle a envie d'être aimée, elle a envie d'aimer. Elle est très physique, elle aime les plaisirs de manger énormément, la musique, chanter, rire, tout ce qui est très très charnel. Amanda, elle est très charnelle, ce qui n'est pas toujours évident pour Dimitri. Oui, qui supporte difficilement justement parfois, cette... Parfois, pas toujours. Hein. Oui. Non, pas, toujours. Pas toujours. Enfin, mais cette relation qui est quand même très physique, très, très, très physique, contraignante pour lui. D'accord.
Elisabeth Rivard, bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez un fils aîné, Guillaume, qui a aujourd'hui 26 ans et qui est autiste, à l'inverse d'Amanda. Guillaume s'exprime très peu, il n'est pas du tout autonome. Depuis l'âge de 15 ans, il vit chez vous en permanence, car vous n'avez trouvé aucune structure pour s'occuper de lui. On vous a parlé d'hôpital psychiatrique d'ailleurs à un moment, quand il avait 15 ans. On vous a aussi par ailleurs beaucoup culpabilisé, comme ça a été le cas de beaucoup de mamans jusqu'à il y a encore 5-10 ans, beaucoup moins aujourd'hui. Vous avez cessé de travailler, vous étiez pharmacienne dans la recherche, Elisabeth, pour vous occuper de lui toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24, et vous tentez de le stimuler en permanence, en passant quand même, on a l'impression à vous voir, des beaux moments avec lui. C'est sûr, Guillaume maintenant, disons, sait communiquer son affection à des moments très tendres, et cela c'est quelque chose qui est apparu tardivement, parce que tout au début, jusqu'à 15-16 ans, le monde était extrêmement, pour lui, certainement très agressif. Il ne comprenait rien et à ce qu'on pouvait vivre, nous, et on n'avait aucun moyen de communiquer avec lui. Si ce n'est, c'était de la violence contre lui-même, c'est tout. C'est-à-dire ? S'automutiler, se taper la tête contre les murs en permanence, lécher les vitres, se mordre jusqu'au sang. Enfin, vraiment, une douleur intérieure pour lui certainement très forte, et pour nous aussi. Vous êtes autiste, d'après vos propres dires, Erwan. Vous êtes un autiste qu'on dit de haut niveau, c'est ça ? Oui. Voilà. Et votre fils, madame ? Non, Guillaume est un autiste avec très déficitaire, comme on dit, autiste déficitaire, c'est-à-dire malheureusement avec probablement une déficience mentale importante. On va regarder un extrait de ce reportage, pour s'en rendre compte par nous-mêmes. C'est à la fois pour lui un moyen d'expression, certainement, un moyen de se conforter aussi. Il essaye souvent des sons un peu plus haut, un peu plus bas. C'est quelque chose, je pense, qui en tout cas pour lui est certainement assez confortable. Guillaume, il n'est pas enfermé dans son monde à ce moment-là, je ne pense pas. Par contre, c'est une façon d'être. Hein, Guillaume ? Attends, Qu'est-ce qui se passe là ? Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? Moi, je comprends pas, tu sais. Hein ? Oh ! Ne crie pas. Doucement, doucement. Bravo, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est vraiment étonnant ce regard qu'il vous porte, madame. Ce qui ne faisait absolument pas avant. Vous regarde, mais il vous dévore d'amour. Là. Je présente maintenant Stéphane Guérin. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Jean-Luc. Bienvenue. Ça va ? Ça va. Stéphane, vous avez 27 ans. Depuis septembre dernier, vous vivez tout seul la semaine dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq, et vous rentrez chez vos parents tous les week-ends en région parisienne. Vous travaillez dans la restauration, une semaine en cuisine, une semaine en salle, dans un centre d'aide par le travail. Vous vérifiez tout ce que je dis ? Tout ça est juste ? Oui, voilà. Et puis, je suis dans un appartement la semaine, et pendant 3 soirs, j'ai une dame qui vient s'occuper de moi pendant 2 heures pour mes repas, le ménage, arroser les plantes. Et en fait, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que je suis à Villeneuve-d'Ascq parce que déjà j'étais dans un CAT à Saint-Mandé où j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle la Cuivrerie Centrale, où j'ai étiqueté des équerres, j'ai collé des étiquettes dessus que j'ai compté soit par 50, soit par 100, ce qui fait que j'en ai eu ras-le-bol alors. Vous avez eu envie d'une autre activité, quoi. Voilà. Ouais. Et donc la restauration, vous vous intéressez ? Voilà, bah oui, la cuisine, la restauration. Ouais. Voilà. Vous appréciez ce métier aujourd'hui ? J'apprécie ce métier, oui. C'est très bien. Qu'est-ce qui vous plaît ? Dans le travail en cuisine, ce qui me plaît, c'est d'éplucher les pommes de terre, dresser les assiettes, c'est-à-dire remplir les assiettes pour que ceux qui sont au bar viennent chercher les assiettes pour servir les clients. J'aime aussi être en salle parce que c'est vrai que je peux parler avec les clients. Est-ce que vous vous dites autiste ou pas, Stéphane ? Non, pas vraiment autiste. Je ne saurais pas comment le dire. Vous avez réfléchi à ça ? Non. Et qu'est-ce que c'est pour vous, l'autisme ? Eh ben, pour moi, l'autiste, en fait, c'est quelqu'un qui ne parle pas, quoi, qui s'exprime avec des mots,
mais qui ne peut pas bien parler comme moi. Quoi. Comme vous, comme... Ouais. Le restaurant est donc ouvert à tous les clients. Les clients, ça se passe plutôt bien avec ça se eux. Ça passe bien, oui. Ils apprécient vos talents de serveur, mais aussi de chanteur, on va voir. Oui, parce que je suis très fan de musique. La variété française du style Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Laurent Voulzy, Alain Souchon. Ouais. C'est un reportage de Jean-Marc Borde, d'Olivier Martinet et de Stéphanie Guérin. Bonjour messieurs, dames. Le bus n'est pas arrivé encore. Non, il est pas encore là. Ça va. Comme de nombreux autistes, Stéphane est également malvoyant. Cela ne l'empêche pas tous les matins de prendre seul le bus pour aller travailler. La dame, bon, elle sait où je vais descendre, donc là je suis tranquille. On arrive à Cousinerie, hein, monsieur ? Entendu ? Pile à l'heure, Stéphane arrive au centre d'aide par le travail, un CAT restaurant où il aide aux cuisines et assure le service en salle, débriefing matinal avec les autres employés. J'ai un problème aux intestins du ventre et je l'ai dit à Angélique hier, j'ai mangé le cassoulet mais ça fait les intestins du ventre et ça claque dans le ventre, l'intestin. Et après, je sais pas, mais on dirait j'arrête pas de faire des pets. Des pets. Des pets, vraiment que. Le cassoulet, apparemment, ça fait des pets. On est en contact avec des gens qui, ici, souhaitent la propreté, le bien-être. Oui. Le fait que Jonathan fasse régulièrement des pets. Oui. Qui sentent, c'est gênant. Tu vois. Mmh. Donc je comprends que tu adores parce que c'est vrai que c'est... Oui, c'est surtout le fait d'entendre le mot prout qui... Voilà, d'accord. Non, c'est toi qui l'as dit, il a dit P. Il a dit P. Oui, mais P et prout, c'est pareil. On fait une réunion pour dire ce qui s'est passé la veille et aussi pour dire s'il y a des angoisses. Et alors, ensuite, on dit le menu. Est-ce que tu peux nous dire le plat du jour ? Alors, c'est de l'onglet à la sauce pain d'épices, accompagné de pommes de terre flamandes et de jeunes carottes glacées. Les pommes de terre flamandes, c'est farci avec des échalotes et des lardons. D'accord. Et comme dessert, c'est du gratin de fruits frais à la crique cerise. Wow. Bah, vous allez comprendre chacun, hein ? Voilà. Et tu vas doucement, parce que ce que j'ai dit pour Jean, c'est valable pour toi. Si tu le remues trop, ça va... Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va dégouliner. Super. Bon, bah t'inquiète pas, je marche tout doucement, là, regarde. Très bien. Qui va loin, là ? Qui va doucement, vraiment. Allez, vas-y. Comment je marche, hein ? Là. Ça va aller doucement. Si. Ah, il aurait fallu que je mette les gants, peut-être. Pourquoi faire ? Si, est-ce que là, ça brûle ? Mais non. Vous vous sentez cuistot ou éducateur ? Plutôt cuistot, mais bon, on essaye de faire un petit peu les deux quand même, mais c'est vrai que ça, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué de... Surtout au moment du service, hein, il faut faire la part des choses entre les clients qui ne voient pas la différence et qui attendent justement d'avoir l'assiette, gérer un travail comme dans un restaurant normal. Hein. L'Estaminet est un véritable restaurant où les clients ne sont pas particulièrement prévenus du handicap des serveurs. Non, mais... 4 samoals et combien de plats du jour ? 8. 8. 4 samoals, 8 plats du jour. Oui. Benoît et Angélique, je dis à la dame, c'est escalope de volaille farci au maroilles. Oui. Ben Luc, en plaisantant, il me dit, est-ce qu'on peut avoir farci à autre chose ? Ah oui, tout est possible, je lui dis. Tu dis ça ? Non. Allez, on y va. Angélique, elle demande si farci à la connerie, ça suffira. Ah oui, sûrement. Hey, tu veux les carottes ? Attends.
Mets les carottes avec le... Ah, avec le mal. Parce que j'ai dit qu'elle a dit partie à la connerie. Celle-là, j'en vois pas. Toujours à la table de... Toujours à la table de 8, il n'y a plus que celle-là de fête. À faire, pardon. Que le jeune garçon vient dire le menu du jour, c'est vrai que c'est... J'avais un petit peu de mal à... Donc, à dire le menu du jour, et c'est vrai qu'au départ ça nous a surpris en fait. Hein, mais sinon, bon, on s'est très vite habitué, et comme le service est très bien, hein, donc ils sont malgré tout très gentils, très serviables, c'est vrai que ça nous incite à revenir. Tu connais combien de chansons? Oh, bah 350 en tout. Par cœur? Ah oui, bah, je peux pas te dire. Enfin. Je pense que c'est 350. Messieurs, dames, je vous chante une chanson de Michel Berger qui s'appelle « Quelques mots d'amour ». Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ses amis et ses filles qui le veulent, que quelques mots d'amour. Bravo, bravo. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ce serait une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'obstine pas ou s'en va le prochain. Du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là. On a fait passer le soir même, mais voilà. On se retrouve au paradis vers minuit. Tu es fatigué, Stéphane, après une journée de travail comme ça? Un petit peu, mais ça va. De toute façon, comme le travail me plaît. Oh, c'est vrai que même s'il plaît, ça peut fatiguer. Alors là, on est chez toi, Stéphane. Voilà. Vous êtes chez moi. Il y a longtemps que tu habites ici, Stéphane? Ah bah là, ça va faire un an cet été. T'as eu du mal à t'habituer à ce oui, nouvel appartement? Oui, oui, oh bah oui. En fait, j'angoisse toujours un peu quand il y a quelque chose de nouveau. Oui, bonsoir papa, bonsoir maman, c'est Stéphane. Bon, ben j'appelais pour dire que j'étais bien rentré et j'attends Patricia. Tous les soirs, tu appelles tes parents, Stéphane? Ah bah oui, je les appelle pour leur... Bah, c'est-à-dire que les soirs où je suis là, bah, bien sûr, je les appelle pour leur dire que je suis bien rentré parce que c'est quand même bien qu'ils le sachent. Bon, bah, et voilà, Patricia. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Ça va? Ça va. Voilà, donc c'est Patricia, la dame qui s'occupe de moi pendant 2 heures. Tu les coupes dans le sens de la ligne? Oui. Dans le sens de la longueur, c'est-à-dire? Comme ça, de ce sens-là, comme ça. Tu vois? Tu vois? Comment? Voilà, comme ça, tu le coupes jusqu'au bout, attention à tes doigts. Hein. Ah, ouais, tu le tiens alors. Comme ça, regarde Stéphane. Regarde, je vais faire celui-là, regarde. Tu le tiens comme ça, et puis jusqu'au bout, tu vois, tu mets ta main comme ça. C'est plus simple, au moins tu te coupes pas. Quand celui-là, il est coupé, donc tu fais celui-là. Ah oui, faut passer en dessous. Voilà. Madame, c'est quoi votre rôle ici? Passer de venir un peu compagnie à Stéphane, et puis bon, bah, faire certaines choses qu'il sait pas faire. Mais enfin, en principe, faire plus de choses... que d'habitude, quoi, je veux dire. C'est plutôt l'aider à faire les choses. Voilà. Pas le faire à sa place. Voilà, c'est ça.
Bon, Stéphane, je m'en vais, c'est l'heure. Au revoir, Patricia. Je te dis au revoir. Et à puis, mercredi. À mercredi, alors, et puis, bon week-end du 8 mai. Hein. Oui, merci. Tu diras bonjour à tes parents. Ok. Allez, au revoir. Il veut que je le rembourse. J'ai rien déchiré. C'est juste les emballages. Ah, c'est une de mes séries préférées, voilà. C'est une de mes séries préférées. Qu'est-ce que tu aimes sinon? Ah, j'aime bien Le Grand Chemin, Au revoir les enfants. Trois hommes et un couffin, Les Fontaines. Mon perso-héros avec Gérard Depardieu. Tout ce qui parle d'enfants, quoi. Voilà, les films qui parlent d'enfants. Tu te couches à quelle heure, Stéphane? Ben, je me couche vers ces eaux-là, quoi. 9h15, 9h30. Même un peu avant, vers ces eaux-là, quoi. Et à quelle heure tu te lèves? À 6h26. Ah, c'est près de 6h30, quoi. Le vendredi, après sa dernière journée de travail de la semaine, Stéphane se fait conduire à la gare de Lille pour retrouver ses parents qui vivent en région parisienne. Ici. Sur la gauche. Sur la place, ici à gauche. Voilà. Super, Bettilly, écoute. Je vais te dire au revoir, alors. Au revoir. Je t'en passe. Je te souhaite un bon week-end. Merci. Et puis à plus tard. Tu sais où tu dois descendre, là? À la gare du Nord. T'es sûr de pas te tromper? Oh ben non, puisque... D'une part, c'est une heure de trajet. Et d'autre part, c'est le terminus. Ça va? Un bon voyage? Oui, un bon voyage. Ça va? Ouais. Ça va. J'ai fait tomber oui, quelque tiens, chose. Donne-moi. Bah, regarde ce que tu as fait tomber. Regarde. Et tu le ramasses. Tiens. Voilà. Alors, il y a un papier, c'est mon salaire. Un papier, c'est ma... C'est par rapport à l'arrivée de... C'est par rapport au mercredi 16 mai. Oui. Aux horaires de mercredi. D'accord. Et puis l'autre papier, c'est mon billet. Voilà. Donc ton billet... Ben oui, ton billet, il faut que... Faut je vois. Tu préfères être le week-end avec tes parents ou la semaine au travail à Lille? J'aime les deux. Ça vous plaît pas? Oui, non, au contraire. Non, j'attendais que tu répondes. Enfin, effectivement, je m'attendais à ce que tu répondes ça, parce que c'est vrai que tu as l'air content de tes week-ends, mais tu as l'air bien content aussi de repartir la semaine au travail, donc je suis pas étonné par ta réponse. Bien sûr. Là, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Voilà. Vous avez touché, madame? C'est formidable, c'est émouvant. Comme les parents doivent être contents de le voir. Et moi, le sens de l'humour. Il a un sens de l'humour incroyable et il n'est pas le seul, parce qu'il y en a d'autres, nous connaissons. J'ai le sens de l'humour, tu mais... Tu crois que tu aimes bien faire rire les gens? Très gai. Oui, mais alors, faire rire, c'est vrai. Mais alors moi, par contre, si on me fait des petites plaisanteries, eh ben là, eh ben, je prends tout au sérieux, les plaisanteries. Non, il prévient tout le monde, hein, là, je suis seul à faire. C'est-à-dire que... C'est-à-dire? C'est-à-dire que je réponds à ce que disent ces dames-là. Moi, si c'est des gros mots, si c'est des trucs un peu cochons, et si c'est des gros mots, bon, bah là, je rigole sans problème. On a entendu le reportage que on a compris surtout que vous aimez bien chanter, que vous connaissez 350 chansons par cœur, que vous avez retenu le texte de 350 chansons. Peu de gens connaissent autant de chansons par cœur. Comment vous expliquez que vous ayez une telle mémoire? Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Ça, je ne saurais pas bien l'expliquer. Non. Qu'est-ce qui vous fait aimer une chanson en particulier? Pourquoi vous aimez une chanson plutôt qu'une autre? Ah, ça, je ne saurais pas l'expliquer. J'aime une chanson parce que j'aime une chanson. Mais je voulais dire, dans les mots des chansons que vous chantez, quand vous chantez quelques mots d'amour, qu'est-ce qui vous touche dans les mots que vous chantez? Est-ce que vous cherchez à comprendre en les fait, chansons? C'est, oui, voilà. C'est-à-dire que je vais essayer de vous... Par exemple, si je vous dis « il manque quelqu'un près de moi », ben ça veut dire que
Il manque quelqu'un près de moi, ça veut dire qu'en fait, Michel Berger, il est seul, c'est-à-dire qu'il voudrait qu'il y ait quelqu'un autour de lui. Je me retourne, tout le monde est là. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ça doit vouloir dire... En fait, je crois qu'il ne doit pas faire attention, mais dès qu'il se retourne, parce que quand il dit « je me retourne, tout le monde est là oui. », ça veut dire que là, il se retourne d'un autre côté... Et il y a du monde. Et il y a du monde, en fait, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est seul ou qu'il n'est pas seul, selon vous, comment vous l'interprétez? Eh bien, je ne sais pas, parce que... Si je dis la deuxième phrase, d'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Ça veut dire qu'en fait, il y a du monde, mais que personne ne lui parle, je crois. Non? Enfin, moi, je ne saurais pas dire. Mais je me demandais si ça vous arrivait, ce genre de sentiment? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Pas vraiment, ça veut dire un petit peu? Un petit peu, enfin, non, pas. Non. Vous avez des amis? Pas du tout. Oui, bah bien sûr, on a des amis proches. Est-ce que vous avez une amie? Une amoureuse? Alors, une amoureuse... J'avais une fille que j'ai connue dans un centre. Après, bon, on s'est perdu de vue, Vous avez connu le sentiment amoureux? Le sentiment amoureux... Oui, un peu comme ça, quoi. Et vous, Erwan? Pas véritablement. Pas véritablement? J'ai ressenti l'affection de fille, mais pas véritablement le sentiment amoureux. Quelle différence vous faites? Le sentiment, c'est la bienveillance, la sympathie, la gentillesse, voilà. Et l'amour, pour vous, ça représente quoi? C'est un sentiment qui culmine jusqu'à aimer quelqu'un, avoir envie d'aller dans son lit et d'avoir des relations spécifiques avec eux, de partager avec elle et de partager sa vie avec quelqu'un, en fait, sa vie quotidienne, la lessive, le ménage, et puis toute la vie, en fait, voilà. Et ça, vous ne l'avez jamais vécu, vous ne l'avez jamais ressenti pour l'instant? Non, jamais. Jamais. Vous prenez le train seul, mais on a vu que c'est quelqu'un qui vous accompagne à la gare. Est-ce qu'un jour, vous pensez que vous arriverez à prendre le train tout seul pour aller retrouver vos parents, par exemple? Une fois que je suis dedans, de toute façon, je suis tranquille. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'installer dans le train. Mais est-ce que vous faites des progrès? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus indépendant avec le temps? Ah oui, quand même indépendant. Ouais. Seulement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'y installer, d'accord, pour trouver ma place. Est-ce qu'il y a d'autres gestes de la vie quotidienne où vous avez besoin d'être accompagné? Pour faire vos courses, par exemple? Pour les courses, mes parents, ils les font. Gérer votre argent, par exemple? Alors là, l'argent, ça, c'est un problème. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est un problème? Les comptes, les chiffres, je ne saurais pas dire. D'accord. Erwan, vous, ça ne vous pose pas de problème, les chiffres, hein, vous? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Stéphane, de vous sentir par moments différent des personnes de votre âge? Différent, non. Un peu. Je ne saurais pas le dire, non. Je ne me rends pas bien compte. Vous ne vous rendez pas bien compte ou parfois vous n'avez pas envie de parler des choses? Je ne me rends pas bien compte. D'accord. Autiste, excusez-moi de vous reposer la question, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous par rapport à ce qu'on peut dire de vous, ou parfois on peut considérer, enfin des médecins considèrent parfois que vous avez un comportement autiste? Est-ce que ça vous fait du mal? Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous vous en foutez? Je l'accepte, et puis bon, l'autiste, je fais avec. Mais vous préférez ne pas accepter le terme de comportement autistique ou d'autisme? Ça, je ne sais pas. D'accord. Pour parler à vos parents, peut-être, non? Peut-être. Oui. Michel et Pierre sont avec nous. Où est-ce que vous êtes, Michel? Bonsoir. Ce terme d'autiste, qu'est-ce qu'il représente pour vous, madame? Est-ce que vous comprenez que Stéphane l'entende, mais ne se sente pas à l'aise avec ou... Je vous entendais lui poser la question de cette façon-là. C'est un mot qui a toujours été prononcé chez nous sans gêne, hormis celle qu'elle représente, bien sûr, pour nous. Hein, pour vos parents? Pour nos parents. Hein. Mais je veux dire, on n'a jamais occulté la chose. À partir du jour où on l'a su,
bien sûr. Stéphane, c'est vrai que ça fait partie de son, de sa personnalité. Je pense qu'il s'est installé dans cette vie comme une normalité. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 27 ans et demi. Ouais. Donc vous vivez seul depuis, ça va bientôt faire un an ? En fait, ça va faire un an en septembre. Enfin, du moins que je suis tout seul, ça va faire un an en octobre, parce que déjà au mois de septembre, mes parents étaient avec moi parce qu'il fallait qu'ils m'apprennent le trajet. D'accord. Et comment vous vous sentez seul ? Pour aller de chez moi jusqu'au CAT, et du CAT jusqu'à chez moi. Comment vous vous sentez de vivre seul ? Est-ce que ça vous fait évoluer ? Est-ce que vous sentez que votre comportement change ? Que vous apprenez de nouvelles choses ? Ah ben, c'est vrai, j'apprends des nouvelles choses. Enfin, j'apprends des nouvelles choses. En vivant seul, on apprend des nouvelles choses, forcément. Oui, mais bon, c'est vrai que ça me fait évoluer, quoi. Mais la solitude, vous a fait peur au début, mais ne vous fait plus peur maintenant ? Voilà. Mais ça, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Que ce soit solitude ou autre chose. Ouais. Pour tout, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ben... C'est une petite épreuve. Voilà. Un défi. Erwan. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau dans ma propre vie, souvent il y a une certaine peur, une certaine angoisse qui peut survenir, en fait. Ouais. Donc voilà. C'est comparable à ce que disait à l'instant Stéphane. Stéphane en a sans doute probablement moins conscience. Sandrine. Est-ce qu'il est suivi par un psychiatre ou pas ? Est-ce qu'il voit un psychiatre de temps en temps ? Stéphane a suivi une psychothérapie pendant 10 ans, entre 6 et 16 ans. Sandrine, qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Si ça lui avait apporté quelque chose ? Oui, voilà, si ça lui avait apporté quelque chose. Pourquoi il a arrêté aussi, peut-être ? Bah parce que j'en ai eu marre, j'ai plus envie. Pourquoi vous avez arrêté au bout de 10 ans ? Vous auriez pu arrêter avant. C'est au bout de 10 ans, vous avez ressenti que vous en aviez marre ? Bah voilà, j'ai senti que j'avais plus envie. Alors bon. Erwan, vous avez un psy ? Vous suivez ? Oui. Vous êtes suivi par un psy ? Quoi comme Je suis suivi par le docteur René Dufraux, qui est un psychiatre spécialiste de l'autisme. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ces rencontres avec ce psychiatre ? Ben, je parle de ma vie d'étudiant, de ma vie familiale, et ça me permet de ressentir et de percevoir ce qu'il y a d'anormal dans mon comportement, ou de mieux l'analyser, en fait, le comportement et la réaction des autres à travers la manière dont je me conduis en société, en fait. Parce que j'ai tendance à me dire que s'il y a un problème ou une difficulté qui survient, que c'est parce que je suis autiste, et d'une certaine manière, il arrive d'une certaine manière à ce moment-là à faire la part des choses. C'est-à-dire à vous faire comprendre que parfois, il y a des gens qui ne sont pas autistes et qui ressentent la même chose, par exemple. Oui. C'est ça. Voilà. D'une certaine manière, ça améliore l'estime de moi aussi. D'accord. Vous vous estimez aujourd'hui ? Ben oui. 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 Votre sœur est suivie, Sandrine, par un psy aujourd'hui, un psychiatre ou... Aujourd'hui, oui. Oui. D'ailleurs, je posais la question parce que je me demandais si, quand c'était pris en très bas âge, si c'était très... Si ça apportait plus de bénéfices. Voilà, oui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est fait des choses très, très importantes, très fortes pendant ces 10 années-là. Et moi, je reste persuadée que ça a été très bénéfique. D'accord. À quel âge vous avez été diagnostiqué comme étant autiste, Erwan ? J'ai été diagnostiqué à 18 ans. À l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qu'on vous a alors expliqué de l'autisme ? Parce que vous étiez déjà grand à 18 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? C'est l'ophtalmologue qui... que j'étais autiste et que donc ça n'était plus la peine de m'opérer à nouveau des yeux, que c'est une opération ne valait plus la peine d'être tentée à nouveau. Parce que j'ai un strabisme intermittent convergent de l'œil droit, un caractère psychologique et affectif. Ah. Et l'affectivité est une chose importante en ce qui concerne l'autisme. D'accord. Donc il y a des liens entre. On vous a expliqué qu'il y avait des liens entre l'autisme et les problèmes de vue, par exemple ? Oui. Des problèmes d'yeux ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes physiques qui sont liés à l'autisme ? Il paraît qu'il y a des malformations au niveau du cervelet, du lobe préfrontal. Mais ça, évidemment, comme je n'ai pas fait d'études de médecine, bon, ce sont des mots que j'emploie comme ça. Sans trop savoir ce qu'il y a. Il paraît qu'il y a aussi des problèmes de recaptage de la sérotonine au niveau de l'intestin aussi. D'accord. Entre, donc, au niveau de la circulation sanguine, qui provoque une certaine lenteur, parfois un certain manque de rapidité. D'accord.
et d'attention, en fait, d'attention par rapport à la réaction au phénomène extérieur. Voilà. Alors aujourd'hui, Erwan, vous avez 28 ans, vous êtes étudiant à l'université, vous habitez chez votre maman, vous êtes donc, oui, on va dire, relativement autonome. Je suis en fait colocataire avec ma mère. Colocataire avec votre mère. Voilà. Quels sont les actes de la précision, voilà. D'accord. Quels sont les actes de la vie quotidienne que vous accomplissez seul? Ben, je me lève, je m'habille, je prépare le petit déjeuner. Sans problème, je peux aussi m'occuper de préparer le repas. Je sais faire mon sac. Je sais aussi remplir des papiers. Vous déplacez, vous arrivez à vous déplacer seul? Je me déplace seul sans problème au Super U. Ouais. Je peux me promener tout seul sans problème. Vous faites les courses? Je peux faire les courses sans problème. Ouais. C'est juste dans une ville, dans une nouvelle ville, à 245 km de ma ville d'origine. Ce qui fait qu'il y a un temps d'adaptation et de connaissance des lieux pour ne pas être totalement largué dans la nature, en parenthèse, voilà. Anne-Françoise, vous êtes la maman d'Erwan. Bonsoir, madame. Comment se fait-il qu'il ait réussi à avoir ses examens, qu'il ait réussi à s'intégrer dans le système scolaire traditionnel? Alors, Erwan a toujours fait sa scolarité dans des établissements ordinaires. Public? Public, ordinaire. Depuis l'école primaire jusqu'à la faculté. Et vous êtes battue pour ça, madame? Je n'ai fait que ça depuis qu'il est jeune. À chaque fois que je franchissais une étape, on me disait c'est plus la peine de continuer. Il a déjà son bâton de maréchal. Bon, on a continué. Et depuis à ce moment-là, moi j'ai passé mon temps, lorsqu'il sortait de la fac, ou bien de l'école primaire, à décrypter. Au fur et à mesure, 2 ou 3 heures après les cours. Et ça c'est depuis qu'il a 6 ans. Ah, comme de 6 ans à maintenant. Vous lui faisiez une deuxième fois les cours le soir? Une deuxième mouture des cours avec un recadrage de l'ensemble des cours. Et vous en occupiez vous-même? Je l'ai fait puisque je suis actuellement en faculté. Je suis avec lui. Quand il n'a pas compris quelque chose, on essaie de comprendre ensemble. Ah, donc vous faites ses études avec lui, vous faites vos études aussi, vous? Alors, en quelque sorte. À quelles occasions l'autisme dont vous souffrez peut vous éloigner des autres élèves, par exemple, ou des autres gens? Il faut que je me concentre plus sur ce que je dis, sur ma propre communication lorsque je parle à quelqu'un, par rapport, parce qu'il faut que je tienne compte des paramètres sociaux, que je tienne compte de la manière adaptée de me conduire. De me conduire normalement. Oui, parce que parfois vous dites que vous avez un comportement d'autiste guindé. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est qu'on est assez strict, assez rigide dans ce comportement. C'est ce que j'étais lorsque j'étais enfant. J'étais souvent seul, assez isolé, puisque j'étais très strict. J'avais souvent peur, lorsque je voyais les enfants se battre sur la contre-récréation, j'avais souvent peur, je m'éloignais. Et en fait, j'étais assez. J'essayais de me préserver, en fait. Et de me prémunir du danger, en fait. Vous aviez des amis? J'avais des amis. Petits, je veux dire, quand vous étiez petit. Petits amis, oui, j'avais 3-4 amis régulièrement et ils venaient chez moi lorsque j'étais enfant. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je suis dans une nouvelle ville, depuis seulement 6 mois, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on devient plus grand, on a des obligations de travail. D'organisation de sa vie, on doit fournir une charge de travail plus importante aussi. D'accord. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de mal, comme mon attention se focalise sur des choses à faire et sur une certaine régularité de vie que j'ai, qu'il est nécessaire que je mène pour mener à bien ce que je dois faire. Oui. J'ai beaucoup de mal à avoir des activités extérieures. Qui sont très irréguliers dans le monde des jeunes, des gens de secondaire 2 en sciences économiques, voilà. Madame, vous pouvez peut-être nous dire ce que vous espérez à l'avenir pour votre fils. Il a très bien parlé de son métier maintenant, enfin de son futur métier et au début de cette émission. Aussi, je pense que vous parlez peut-être tous les deux aussi de sa future vie sociale. Il a envisagé peut-être aussi d'avoir une compagne et des enfants un jour. Comment vous projetez-vous dans l'avenir? Erwan, pour le moment, a fait énormément de progrès. Il a subi 2 changements très importants. Pour un autiste, c'est beaucoup. Il n'a pas craqué.
Et dans, actuellement, il a fait des progrès de sociabilisation vraiment remarquables. Et pour la première fois, je suis un petit peu soulagée de ce que j'ai fait pour lui depuis plus de 28 ans. Ouais. Parfois, ouais. On me dit que c'est trop, ouais. Mais que j'y avais pas d'autre, pour le moment, il n'y avait pas d'autre solution, ça a mené à, là, à cela. Mais c'était du pragmatisme et du décryptage à la maison. Madame Lemoigne, merci. On va continuer à en parler avec une neuropsychologue, Evelyne Arty, qui va venir nous rejoindre si elle le souhaite, ou si vous voulez bien. Merci. Sous les applaudissements du public. Attentif, François Mazelle, tous vos milieux. Vous vous intéressez à l'autisme depuis maintenant 12 ans. Vous travaillez auprès des parents, des personnes qui sont autistes afin de mettre au point des programmes qui sont adaptés et, on le disait tout à l'heure, personnalisés à chacun puisque chacun est dans un monde qui est son monde. Vous êtes aussi en relation avec des éducateurs que vous formez. Que vous inspirent les propos de Stéphane et d'Erwan jusqu'à présent ce soir? Eh bien, je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, même avec des personnes telles que Erwan et Stéphane qui ont finalement de très bonnes compétences, on retrouve quand même les caractéristiques qui font que ces personnes ont un syndrome autistique. Lesquelles ? Donc, bien, je dirais. Alors, genre, finalement, je vais reprendre beaucoup ce qu'Erwan a dit parce qu'il a une façon d'analyser les choses très très fine. Du style, cette difficulté à comprendre les relations sociales, à s'adapter au niveau des interactions sociales. Ils perçoivent le monde aussi différemment. Amanda, votre fille, madame, a été diagnostiquée assez tard. Vous avez été diagnostiquée à 18 ans. On a parlé d'autisme à partir de quel âge pour votre fils, madame? Quand il est rendu, oui. À 6 ans. 6 ans, donc il y a vraiment une grande variation dans les âges. Et en ce qui concerne votre sœur, Sandrine? Très très tard. Très tard, parce que ma sœur n'a jamais été suivie. Donc, très tard, c'est-à-dire? Très tard, une vingtaine d'années, quoi, ouais. 25 ans. Ouais. Comment se fait-il qu'on ait autant de mal à diagnostiquer l'autisme dans notre société? Alors, tout d'abord, c'est quand même une pathologie qui repose surtout sur des altérations au niveau des interactions sociales, au niveau de la communication. Donc déjà, il faut savoir que eh bien, souvent, on ne voit les problèmes que lorsque les enfants sont, par exemple, en crèche ou vont à l'école maternelle. À ce moment-là, c'est surtout donc dans le groupe qu'on ouais. s'aperçoit qu'il y a des. Mais là, on parle de 18 et 23 ans, donc c'est pour ça qu'on oui, est non, bien au-delà. Attendez, ouais. attendez. J'y viens. Donc déjà, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément diagnostiquer très tôt. Le diagnostic précoce est très difficile à faire, même s'il est possible, mais il est très difficile. Alors, je dirais, le problème par rapport à ces cas où, en effet, les diagnostics ont été posés très, très tardivement, trop tardivement, je dirais même, c'est du fait que, souvent, il y a des problèmes aussi par rapport à la formation des professionnels et surtout par rapport aux classifications diagnostiques qui sont utilisées. Et trop souvent, en fait, on n'utilise pas les classifications internationales, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas le diagnostic d'autisme, à part s'ils tombent sur des gens bien, qui se tiennent au courant. Alors, il y a différentes formes d'autisme qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette émission. Et puis, il y a aussi, évidemment, les points communs de tous les autistes. Est-ce que vous pourriez les résumer, ne serait-ce que pour aider les parents qui se posent des questions oui. et qui ont du mal, peut-être, à mettre un nom sur des comportements étonnant chez leur enfant, mm-hmm. même parfois devenu grand. Alors disons que les personnes atteintes d'autisme partagent trois grands groupes, je dirais, de troubles. En fait, tout d'abord, il y a ce que l'on appelle les altérations qualitatives des interactions sociales. Et j'insiste sur le terme qualitatif, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un retard dans le développement, mais il y a vraiment un développement particulier qui se fait par rapport au développement normal. Si vous pouvez donner, de l'enfant. Par exemple, un comportement concret qui vous Alors, au semble niveau justement des interactions sociales, ça va être chez le tout jeune enfant, eh bien, en général, lorsqu'on prend un tout jeune bébé, il va s'adapter, il va avoir une adaptation au niveau de la posture. Souvent, ces très jeunes enfants vont au contraire se cambrer et ne vont pas s'adapter au corps de la maman. Il va y avoir, par exemple, et ça on le retrouve très souvent chez les jeunes enfants, l'absence du pointé qui permet de partager un intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça?
le pointé du doigt. Ah, pointé, j'ai compris, le pointé, oui. Moi, non, d'accord. Non, non, d'accord. Le pointé du doigt, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un pointé qui permet d'attirer l'attention de l'autre personne sur un centre d'intérêt. Sur un tiers, voilà, ou sur un centre d'intérêt. Et surtout, il va y avoir cette combinaison avec le contact oculaire, c'est-à-dire que l'enfant va se retourner vers son interlocuteur pour de nouveau regarder son centre d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un comportement très complexe qui se met en place et souvent il est absent dans l'autisme. L'autre domaine, c'est vraiment ce sont les difficultés, donc une fois de plus qualitatives, au niveau de la communication verbale et non verbale. C'est-à-dire que il faut savoir que les personnes autistes ne sont pas forcément sans langage, hein, on a des personnes là qui nous le prouvent bien, mais qui ont souvent une façon d'utiliser le langage qui est différente de la nôtre. Un petit peu pour donner une image, c'est comme s'ils avaient l'outil qui parfois manque un petit peu. Hein, c'est la boîte à outils où il manque certaines choses. Oui. Ou sinon, ils ont bien la boîte à outils, mais ils ne savent pas à quoi sert cette boîte à outils. Donc, ils ne savent pas forcément à quoi sert le langage. Et le troisième grand domaine donc, qui pose des difficultés, c'est, je dirais, tout ce qu'on met sous le terme d'imagination. En fait, des intérêts souvent très restreints, des comportements très répétitifs, donc des rituels, des routines, une façon parfois non fonctionnelle d'utiliser les objets. Donc là, on a autour de nous des autistes de haut niveau, c'est le terme, à savoir Stéphane et Erwan. On va maintenant parler d'autistes lourds, ce qui existe aussi. Quelles sont les répartitions? On ne sait pas exactement combien il y a d'autistes en France. J'ai lu 12 sources différentes au moins. Oui, c'est difficile à estimer. En gros, c'est vrai qu'on dit qu'il y en a à peu près 60 000, probablement même plus, puisque du fait de ces problèmes de diagnostic, il y a certainement des personnes qui ne sont pas diagnostiquées pas autistes, encore, en tout cas. Ouais. Oui, et qui pourtant sont atteintes d'autisme. Oui. Quelle est la proportion de ceux qui arrivent à se débrouiller dans la vie, comme c'est le cas de nos deux invités, et ceux qui sont des autistes lourds, totalement dépendants? Je dirais la plus grande proportion sont ceux qui auront toujours besoin d'un soutien très important, qui auront quand même une autonomie toute relative. Mais je crois que là aussi, il faut savoir que plus la prise en charge sera précoce et plus on aura des chances de les mener vers, en effet, une meilleure autonomie. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? Je vous en prie. Elle peut parler ou pas? Oui. Par rapport à la violence, par exemple, des gens qui sont plutôt calmes au départ et qui ensuite... se mutilent de plus en plus et sont violents à l'égard des autres. Comment vous définiriez ça? Est-ce que c'est la maladie qui évolue ou est-ce que, parce que toujours concernant ma sœur, au départ elle était violente sur elle-même et au fur et à mesure, au fil du temps, c'était donc sur les autres et on m'a dit que c'était la maladie qui évoluait. Alors déjà, est-ce que ça évolue? Est-ce que... En tout cas, je précise, Sandrine, qu'on en parlera plus tard parce qu'on a encore deux reportages à voir. On va parler d'autisme lourd, de violence envers les autres, de violence contre soi-même. Mais c'est vrai que l'évolution de l'autisme... Je dirais que l'évolution de l'autisme est très liée à la prise en charge, si elle est adaptée ou pas. D'accord. Et très souvent, juste pour répondre en deux mots par rapport à cette agressivité, moi je parle plus d'agressivité que véritablement de violence, très souvent, elle est liée à un manque de moyens adaptés de communication. C'est-à-dire que moins la personne a les moyens de communiquer et plus elle va trouver des moyens inadaptés, hélas, et qui se traduisent par de l'agressivité parce que nous réagissons à l'agressivité. Donc finalement, sans le vouloir, on va instaurer un système de communication tout à fait inapproprié. Votre fils aîné, Elisabeth, il s'appelle Guillaume, a aujourd'hui 26 ans. Il ne parle pas vraiment, enfin encore qu'il y a des mots que vous semblez comprendre. Oui, il y a quand même, s'il n'y a pas vraiment des mots comme chacun peut les entendre dans ce qu'on parle dans la vie, entre nous, il y a quand même des syllabes qui sont prononcées et puis il y a quand même un langage non verbal, c'est-à-dire une façon de pouvoir expliciter ce qu'il souhaite ou expliquer ce qu'il ressent quand même. Ouais. Il y a une communication non verbale qui s'est instaurée, en positif ou en négatif. En positif ou en négatif, oui. À partir de quel âge vous êtes inquiété pour la santé de votre fils ?
En fait, ça a commencé très tôt parce qu'on a vu très vite dans la petite enfance s'instaurer un retard psychomoteur, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas assis à l'âge où la plupart des enfants s'assoient. Il ne marchait pas, il ne parlait pas. Il avait des troubles alors énormes du sommeil, c'est-à-dire troubles énormes, c'est-à-dire c'est vraiment comme vous disiez, madame, de se réveiller 30-40 fois par nuit. J'essayais de le prendre dans mes bras, de câliner, il se raidissait effectivement. Il y avait cette attitude de rejet, enfin, ce qui est terrible parce que vous n'arrivez même pas. C'est terrible, non seulement vous n'arrivez pas à le câliner, mais vous n'arrivez pas à calmer. Donc ça a été des années de troubles énormes du sommeil, des années de troubles énormes de l'appétit, d'angoisse certainement pour lui, puisqu'en fait, il se frappait la tête, il se mutilait. Et nous, on ne pouvait rien faire. On essayait de calmer, rien. Et on n'avait aucune compréhension de ce qui se passait, sans aucune réponse de personne. Vous avez accepté donc de nous ouvrir votre maison pendant 2 jours. Donc on va commencer à dérouler une journée, mais aussi une nuit, un matin, un réveil, enfin la vie avec Guillaume et la relation particulière que vous avez avec lui. C'est un reportage de Miguel Gonan et de Stéphanie Guérin. C'est à la fois pour lui un moyen d'expression, certainement, un moyen de se conforter aussi. Il essaye souvent des sons un peu plus haut, un peu plus bas. C'est quelque chose, je pense, qui en tout cas pour lui, est certainement assez confortable. Guillaume, il n'est pas enfermé dans son monde à ce moment-là, je ne pense pas. Par contre, c'est une façon d'être. Hein, Guillaume? Voilà, se calme. Voilà. Alors, il ne faut pas que ça débouche, parce que parfois, ça peut être aussi préliminaire à vraiment une excitation qui monte. Mais enfin, c'est quand même rare. Ça fait 23 ans qu'Elisabeth, ancienne pharmacienne, a cessé de travailler pour consacrer tout son temps à son fils. Depuis 11 ans, Guillaume ne va plus en hôpital de jour. Depuis, le fils et la mère sont ensemble 24 heures sur 24. Dès la petite enfance, on voyait un gros retard psychologique, psychomoteur qui s'installait. Hein. Moi, ce qui était terrible, c'est qu'effectivement, les médecins, je ne sais pas si c'est méconnaissance ou si c'est crainte de nous faire part d'un diagnostic très grave, hein, mais bon, c'était terrible. Hein. On ne savait pas. On voyait que Guillaume, ça n'allait pas. Eux nous disant, oh, ça passera en grandissant. Il refuse de dormir, ça passera en grandissant. Il refuse de manger en morceaux, ça passera en grandissant. Tout passera en grandissant. Hein. Tout devait passer, évidemment, rien ne passait. Et lorsqu'en fait, on a été dans une école pour... On s'est dit, peut-être, puisqu'il a un déficit visuel, aller voir dans un centre pour malvoyants. Et c'est là le pédiatre du centre pour malvoyants qui nous a dit, d'accord, il a un déficit visuel, mais bien plus grave que ça, il y a autre chose. Et c'est comme ça que le diagnostic a progressivement été fait. Et c'est seulement lorsque Guillaume a 4 ans qu'Elisabeth apprend par ce médecin que son fils est autiste. Tiens, tu prends la cuillère. Tu regardes. Non, tu regardes, Guillaume. Attention, c'est pas trop chaud. Un peu chaud. Chaud. Chaud, Guillaume. Non. Le plus important, c'est que Guillaume soit capable d'une semi-autonomie, de comprendre, de se sentir bien parce qu'il comprend mieux son monde environnant. Ceci dit, s'il peut verbaliser, c'est formidable, mais c'est pas notre but, c'est pas simplement de lui apprendre à verbaliser. C'est de pouvoir être capable de pouvoir faire certaines choses seul. Attention Guillaume, doucement. Depuis quelques semaines, une auxiliaire de vie vient l'aider. Lina arrive le matin à 9h. Pour l'instant, elle est encore en phase de formation. Donc voilà, j'ai préparé le planning, donc avec le symbole de cuillère, que Guillaume prendra au début de repas. Après, ce que ça sera le plan loisir, musique, la cassette. Mmh. Ça, c'est après la toilette. Après la toilette. Okay. Après, vous avez donc le symbole du travail, ce qu'on se mettra pour les exercices à la table. Enfin, le symbole sortie, les clés. Bonjour, Guillaume. Allez, Lascaux, je viens de dire bonjour aussi. Hein, bonjour, mon bébé. Ça va. Allez. On va se mettre bon. T'as vu, Lina est arrivée. Allez, c'est à ton moment de se lever. Hein, allez, on y va. Ah, allez Guillaume, le bras gauche. Tu prends avec ta main droite, allez. Et t'enfiles le bras gauche. Allez Guillaume, on y va. Ouh là là, courage ce matin. Allez. Voilà la petite cuillère Guillaume. Allez, oui, il y a beaucoup de lumière. Voilà, très bien.
c'est bien. On va, et on va la prendre à la table. Pose sur la table, on va déjeuner. Hein, Guillaume ? Allez. Prends. Notre but, c'est d'arriver à ce que Guillaume enchaîne, prenne chacune des petits morceaux de pain en les enchaînant. Bon, on n'en est pas encore tout à fait là, quand même, parfois en le sollicitant. Guillaume, allez, prends, etc. Rien par la parole, parce que souvent, il faut accompagner du geste. Oui, oui. Alors, Guillaume, oui. Prends. Oui, allez, vrai, prends, Guillaume. Non. Prends, Guillaume. Là. Allez, prends. Mmh. Allez, allez, on continue. On pose, ça. Allez. On pose sa main, voilà. Allez, prends. Oui. Bah oui, mais tu prends. Oh. Non. Pose ta main, elle Guillaume. Là, tu sais, si tu prends tes deux mains, ça va pas. Allez, pose ta main à gauche, voilà, très bien. Attends. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Moi, je comprends pas, tu sais. Hein? Oh. On ne crie pas. Doucement. Bravo, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, mais c'est là-dedans que ça se passe. Allez, on avance. Ouais. Allez, tu tires. Voilà, allez, encore. Voilà. Bravo, Guillaume, c'est bien. Très bien. Autant à une époque, Guillaume, il avait des réactions violentes par rapport à... Ah, bravo. Plus souvent allez, tourné contre lui-même, mais quand même l'autre. Un peu contre nous. Mais bon. C'est toi. Quand il était petit, il faisait des crises violentes. Oh là, alors là, c'était incroyable. Hein. C'était se taper la tête contre les murs, taper, se mordre jusqu'au sang, de partout. C'était affreux. Hein. Puis des hurlements, on pouvait... Arrête, alors là, vous ne gérez rien du tout. Hein. Alors, Lina, donc, vous commencez toujours par la tête, en nommant tout. Alors, la tête, le bras gauche, le bras droit. Pourquoi vous avez besoin de lui dire Alors, d'une part, on procède toujours du même ordre pour lui, donc il s'attend à ce qui va arriver. Donc, ce qui est important pour lui, au point de vue anxiété, il sait ce qui va se passer. Et d'autre part, on espère comme ça, progressivement, qu'il va acquérir la connaissance du mot tête, le bras, etc. On lui nomme systématiquement, toujours essayer que finalement notre langage puisse progressivement être quelque chose de plus clair pour lui. Allez. Vas-y. À Guillaume. Vas-y, Guillaume. Allez, vas-y. Fais pas le timide. Allez, à toi. Allez. Guillaume. Mais bravo. C'est très bien. Lina, maintenant. Progressivement, on a vu apparaître le sourire de Guillaume, d'abord un tout petit peu, vers l'âge de 16 ans. Puis après, mais alors, des éclats de rire. Par exemple, Guillaume, c'est quelqu'un, vous aviez beau essayer de le chatouiller, par exemple, il n'y avait rien à faire. Moi. Ah, bah, vas-y. Moi. C'est sûr que de voir... Une part, Guillaume exprime une certaine joie, un bonheur. Hein. Ça, pour nous, c'est ce qui nous motive dans tout ce qu'il faut faire comme démarche journalièrement pour arriver à ça. Alors donc, si vous voulez, pour nous, il se sent bien. Il se sent beaucoup mieux, en tout cas, par moment. Donc, pour nous, c'est vraiment extrêmement motivant. Ouais. Tous les après-midi, Elisabeth s'impose une sortie avec Guillaume. Chaque jour, elle essaye des activités différentes. Prends le caddie, allez, pousse, vas-y, on y va. Voilà, tu peux le pousser comme ça? Bah dis donc. Ouh, ce à quoi je m'habitue pas, c'est les gens qui se mettent à vous crier dessus en vous disant, bon, de toute manière, pourquoi vous faites les courses avec lui, etc. Vous avez remarqué par rapport à la différence. Alors ça, j'accepte pas. Que les gens aient un regard un peu bizarre sur lui, je le comprends. Mais que, par contre... Il le rejette en ayant l'impression de dire qu'il ne faut pas sortir avec lui, il faut rester cloîtré, alors ça, j'accepte pas. Alors, c'est bon, hein, là, ça y est, on est parti, on pourrait faire tout le magasin, là, hein, je crois, ça y est. Et content, alors là, voilà, on peut... Ah, allez, viens, Guillaume. Ah, on est, Guillaume, regarde. Marie. Aujourd'hui. C'est Véronique d'ailleurs qui m'a. Moi, je ne pensais même pas lui demander initialement, puisque c'est moi qui coupais les cheveux de Guillaume. Et alors,
parlant des difficultés de Guillaume, elle m'a dit, mais si, moi, je vais essayer. Alors, première fois, je me souviens toujours quand même que vous lui montriez les cheveux qui tombaient de sa tête, voilà, en lui disant, regarde, je montrais, je lui expliquais que... Voilà, je lui expliquais que c'est une perte de ciseaux, il y a une tondeuse, tout. Bon, on partait petit à petit, quoi, voilà, jusqu'à temps qu'il se laissait faire. Et... Guillaume, est-ce que t'es content? Ah, est-ce que t'es content de me voir? T'es content de l'avoir, Véronique? Oui ou non? T'es content? Non, t'es pas content? Ça veut dire quoi ça, Guillaume? Oui ou non? Hein, Guillaume? Alors, t'as écouté? Ah oui. Maman! Maman? Maman jouait? Maman? Ah! Maman? Maman. Hein? Maman. Il dit maman, vous pensez qu'il dit... Par moment, il dit maman. Il dit maman, ouais. On disait au début de cette émission, Guillaume a fait son premier sourire à l'âge de 17 ans. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il n'a jamais connu de joie auparavant ou qu'il ne savait pas comment exprimer ou extérioriser cette joie? Alors là, difficile à dire. Je ne pense pas qu'il ne devait pas avoir quand même beaucoup de moments très agréables, vu les hurlements que c'était, se mordre tout le temps, saper la tête. Bon, il y avait des moments le plus calme, certainement, mais est-ce que c'était des moments de joie? On n'avait pas l'impression. En tout cas, il n'y avait aucune traduction... de sa joie, et en tout cas, il ne l'a absolument pas ressentir. Des moments de paix, plutôt, alors? Probablement, de paix, moins d'angoisse, probablement, oui. C'est étonnant de voir à quel point il est calme, par exemple, quand il est chez le coiffeur, quoi, qui est un moment de vie sociale qu'il rencontre dans sa vie. Comment vous l'interprétez, ça, vous? Alors ça, c'était une victoire, une victoire, ça paraît... oui, mais c'est une victoire pour nous, parce que, effectivement, bon, moi, jusqu'à 21 ans, c'est moi qui coupais les cheveux, et Dieu sait comment c'était, c'est-à-dire en courant derrière lui, l'appartement, il ne pouvait pas supporter ni même la vision du ciseau, surtout pas le contact du ciseau, enfin, c'était la course, c'était vraiment incroyable. Effectivement, lorsque cette coiffeuse Véronique, charmante, m'a dit, mais si, je veux essayer, elle a une approche extraordinaire, alors amenez-le d'abord, et puis finalement, dès la première fois, elle lui a parlé beaucoup, elle a une voix très très douce, et elle a commencé, elle a très bien saisi que le contact du ciseau, tout ce qui est le contact sur le visage, sur la peau, sur la tête, est quelque chose qui supporte très mal. Donc elle opère avec une attention là-dessus, et mais elle-même, elle l'a ressenti. Vous dites qu'elle a un très bon contact, et justement, on peut se poser la question de ce que vous pouvez attendre des autres. Par exemple, quand vous sortez avec lui, vous dites que ça ne vous dérange pas qu'on regarde spécialement votre enfant, qui a un comportement différent de celui des autres enfants adultes, hein, c'est presque un adulte aujourd'hui. En revanche, qu'est-ce que vous espérez des autres, enfin, ce que j'espère des autres, j'essaye toujours d'expliquer au maximum quel est le trouble de Guillaume. Parce que je pense que justement, plus on expliquera comment il est, ce qu'il a, il sera beaucoup mieux accepté tel qu'il est. Donc, moi, mon credo, c'est de faire en sorte que lui soit bien mieux accepté par tous et que lui se sente bien aussi à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je m'efforce de sortir beaucoup avec lui, qu'on l'emmène partout, en voyage, on l'a toujours emmené malgré, même dans sa petite enfance c'est très difficile, on l'a emmené en voyage, des longs voyages par avion, même si c'était parfois équilibre sur la branche, mais toujours on s'est efforcé de faire en sorte qu'il soit socialisé au maximum, tant pour lui, parce que c'était important, et puis pour nous aussi. Une fois dans un petit village du sud-ouest, on était, un enfant de 10 ans s'est approché, voyant Guillaume, il s'agit comme ça. Il vient me poser des questions, qu'est-ce qu'il a, etc. Et je voyais la mère plus loin, qui faisait des yeux énormes, qui disait, qu'est-ce qu'il fait, il est allé poser des questions.
Moi, j'étais ravie, parce que j'ai pu expliquer. Après, il posait Guillaume, ça va, il s'adressait à lui. Et à la maman, après, je l'étais vers elle, je lui ai dit, écoutez, c'est formidable, votre fils, qui fait. Il vient poser des questions, il a vu l'étrangeté de l'état de Guillaume, mais en fait, il vient. Et donc ça, pour moi, c'est formidable, si vous voulez. Je crois qu'il faut expliquer à tout prix, sortir du non-dit, et au contraire, toujours... Guillaume, plus jeune, était agressif, violent, jusqu'à quel point ? Contre lui-même. Contre lui-même. Pour nous, pas tellement. Il n'a jamais été bon. S'il vous repoussait violemment, il n'a jamais été ce que peuvent supporter certains parents, d'une agressivité contre les autres. L'agressivité, elle était pour lui-même, pour lui-même. Mais qu'est-ce qui pouvait déclencher cette agressivité ? Certainement une angoisse très très forte, ne comprenant rien. Mais irrationnel ou lié à un événement extérieur, quoi, je sais. Parfois irrationnel et parfois lié à un événement extérieur. Les deux, en fait. Vous demandez à Odile, par exemple, vous, si votre fils vous a parfois fait peur. Oui, c'est arrivé. C'est-à-dire ? Il y a déjà un moment que ce n'est pas arrivé, mais lorsque il est perturbé, il est assez impressionnant. Alors, il prend un regard fixe. Et ses éducateurs aussi me le signalent. À ce moment-là, c'est inquiétant, c'est impressionnant. Et bon, alors il faut savoir réagir et comment dire, éviter, et d'abord sauver sa peau, quoi, éviter. À ce moment-là ça peut être, ce n'est pas une intention agressive forcément, mais quand il est perturbé, lorsqu'il y a et on ne sait pas forcément pourquoi, il peut arriver qu'il morde ou qu'il tire les cheveux ou qu'il se fasse mal à lui-même, il se mord lui-même, etc. Disons que maintenant, c'est un peu des vieux souvenirs parce que ça fait un bon moment qu'il est calme. Le dernier week-end où je l'ai eu, ça a été plaisant même parce qu'alors il est souriant quand il est bien. Et c'est là où vraiment on se dit, il ne faut pas qu'il souffre, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose parce qu'on voit que ce n'est tellement pas sa nature. Quand il est bien... Il a un regard, il est gentil, il est malicieux même, il est coquin, il vous regarde avec un petit regard très... Et c'est pour ça que c'est encore pire de le voir quand il a cet état de perturbation, où tout à coup il se transforme... Quand il m'a mordu, par exemple, je me suis tout de suite enfermée à clé dans ma chambre, d'abord le temps de reprendre parce que le cœur se met à faire toc-toc-toc, et puis j'ai pu me faire un pansement sommaire, téléphoner au foyer où on m'a conseillé, et je sais qu'ils sont prêts, ils me le disent, si quelque chose ne va pas, surtout téléphonez-nous, soit ils nous aident, soit même le cas échéant, ils peuvent venir. Et qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé ce jour-là, par exemple ? Eh bien, de lui donner son bain, ce qui n'était pas évident, mais le bain le calme. Alors, quand je me suis ressaisie, je suis sortie, je dis, François, déshabille-toi, tu prends ton bain. Mais alors, là, à ce moment-là, j'étais très autoritaire, très, très, très autoritaire. Et là, il craint. Je n'ai pas l'habitude. En général, je suis plutôt gentille avec lui. Mais là, je l'ai obligé à se déshabiller sans le toucher, parce que même je craignais qu'il me ressaisisse de nouveau. Il a essayé. Et puis, petit à petit, ça s'est apaisé, il a pris son bain. Mais le dernier jour du week-end, il était bien, c'était fini. Mais il a fallu passer et à ce moment-là, être tout à fait solide, et ferme. Ouais. Et il l'a ressenti. Mais enfin, disons, c'est tout à fait exceptionnel maintenant. C'est tout à fait exceptionnel. Et vous, Gaëlle, vous avez déjà été confrontée à la violence de votre frère jumeau ? Oui, c'est arrivé... plusieurs fois avec mes parents, avec moi, avec mon autre frère. Moi, j'ai un exemple où c'est arrivé une fois où j'étais toute seule. Mes parents, il fallait quand même qu'ils sortent pour se retrouver eux deux. Donc, on s'arrangeait, soit mon frère ou moi, le gardien. Et là, c'était un soir, donc je gardais mon frère. Et puis, il sait que je suis plus fragile, j'ai pas la carrière de mon père. Et puis lui aussi est très costaud, il est assez grand, enfin, il est assez impressionnant. Et donc il a profité d'être avec moi, il a voulu manger alors qu'il avait déjà mangé. Et en général on refuse. Pourquoi ? Alors au départ il veut un yaourt, donc on lui donne. Et puis après il en veut un deuxième, il en veut un troisième. Donc, il ne s'arrête pas ? Voilà, il est très gourmand, donc il mange pas mal. Et... Donc, j'ai pas cédé, j'ai pas voulu lui donner le deuxième yaourt. Et en fait, il s'est énervé. Alors, il a commencé par lui se mutiler, se mordre la main, il grince des dents
quand il commence à grincer des dents, c'est que ça ne va pas. Et puis, il y a eu une petite poursuite dans la maison. Il essayait de m'attraper. Alors moi, je courais autour de la table. Et puis, finalement, il prend des objets. Il peut les jeter sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Et puis là, ben, entre autres, il a pris une bouteille de sangria et il l'a jetée par terre. Mais à ce moment-là, c'est le déclic, en fait. Là, il se rend compte qu'il a été trop loin, ah bon ? Il a fait une bêtise et il se calme tout de suite. Comment ça évolue avec le temps, ces accès d'agressivité ? Maintenant, beaucoup moins. Maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce que je pense qu'il a trouvé une stabilité dans son... dans le foyer où il est. Donc, je pense qu'il est mieux. Lui, il se sent mieux, je pense. Peut-être aussi de prendre du recul vis-à-vis de nous, de plus être avec nous constamment. Donc, maintenant, il est beaucoup mieux. J'ai l'impression que l'apport de personnes extérieures, etc., est quelque chose d'important. Ah oui, de toute façon, il est très attaché aux gens. Il aime le contact. Il a beaucoup de gens autour de lui, il est très entouré, donc il a besoin de cet entourage-là. Je donne la parole à Roxane Payet, qui est dans le public et qui est une bénévole, enfin qui prend du temps. Où est-ce que vous êtes, mademoiselle? Là, pardon, excusez-moi. Qui prend du temps pour s'occuper d'un enfant autiste. Je ne sais pas si c'est un enfant encore, mais dit à quel âge aujourd'hui? C'est un adulte, en fait. Il a 21 ans maintenant. Ah, 21 ans, c'est un grand déjà, oui. Vous avez 37 ans, vous êtes en couple, oui. Vous êtes attaché commercial. Ça fait tout ça pour dire que vous avez quand même de quoi vous occuper dans la vie. Oui. Et par ailleurs, vous êtes donc bénévole au sein de l'association des volontaires pour les autistes. Vous suivez donc ce jeune homme de 21 ans. Vous voyez une fois tous les 15 jours, vous faites des balades ensemble. Quel genre de promenade, de balade par exemple? C'est très varié en fait. Ça peut être le marché qu'on fait le dimanche matin à Lagny, puisqu'on habite tous les deux dans le secteur de Lagny. Donc là, c'est en fait une balade qui est très animée. Le marché est vraiment animé, donc il y a beaucoup de gens et beaucoup d'animation. Ça peut être aussi une balade en forêt, où on va prendre le temps d'écouter les oiseaux, de monter sur les petits troncs d'arbres, ou de toucher les arbres, l'écorce des arbres ou les feuilles. Et puis de se promener, bien sûr, de prendre le plaisir ensemble. Ça pourrait être une activité exceptionnelle, comme le parc Disneyland, ou éventuellement le circuit Carole. Ça lui a plu, ça ? Disney ? Ouais, les Mickey partout, enfin, sans faire de pub. C'est les attractions qui lui plaisent, en fait. J'imagine que quand il est dans les attractions et quand il vit l'attraction, quand il est dans le mouvement, il vit quelque chose qui lui fait du bien. Ça fait 4 ans que vous le voyez maintenant, oui. Donc une fois tous les 15 jours. Comment a évolué votre relation en 4 ans? Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'il vous reconnaît? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il manifeste, d'après ce que vous pouvez traduire, du plaisir de vous voir par rapport au premier moment où vous l'avez rencontré? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la relation est très sereine, mais je pense qu'il m'a reconnue assez rapidement et que, passé les premiers mois où il avait quand même un petit peu d'inquiétude, il est donc satisfait, il est content de me voir. Il a compris que j'interviens pour l'emmener faire une balade ou qu'on va passer une heure ou deux ensemble. Et puis qu'après, je vais le ramener dans son foyer, qu'il va retrouver ses parents, ses frères et sœurs. Et puis que je suis, entre guillemets, digne de sa confiance, puisque je ne lui fais pas vivre Des choses désagréables. Voilà. Ouais. Il sait que c'est réglé, il sait que ça revient. Et... ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire cette activité de bénévole? Ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte déjà une relation d'amitié avec cette personne qui est différente. J'ai beaucoup de plaisir à aller le voir, même si effectivement ça demande de prendre du temps, de dégager ce temps pour ça. Je suis très, très satisfaite de le voir. Il m'apprend à voir les choses d'une autre façon. Il me réapprend que le bonheur, c'est simple. Et qu'il faut simplement savoir le voir. Il m'apprend à accepter la différence. Il m'apprend également, je dirais, quand je suis avec lui, je suis à 100% dans la relation, dans ce moment-là. Et cette sensation ou cet état de ma personne, je peux essayer de la dupliquer lorsque je suis avec d'autres personnes. Autrement dit, essayer d'être plus présent dans ma relation avec autre. Merci. Est-ce que vous confieriez Guillaume à quelqu'un comme Roxane, madame? Oui, tout à fait. Mais nous, vous inspire confiance? Oui, ça, tout à fait. Mais nous avons confié Guillaume à un bénévole qui venait régulièrement à la Fondation Pompidou, une fois par semaine, un monsieur qui est là d'ailleurs et qui reste avec lui. Parfois, c'est simplement rester, parfois, c'était jouer la musique, parfois sortir, qui était là pour le plaisir. Ouais. Et on a déménagé il n'y a pas très longtemps et je pense que ça a été dur pour tous les deux. Relation. Monsieur qui est derrière vous ne souhaite pas s'exprimer. Est-ce qu'il vous est arrivé de connaître des moments de découragement, vous et... Oui, certes, des moments de découragement, certes, oui, certainement. Mais bon, je crois que... Bon, il faut...
Il faut repartir, il faut pouvoir... L'important pour nous, c'est quand même le bonheur de Guillaume, essayer qu'il s'autonomise le plus possible. Mais l'important, c'est aussi son propre bonheur. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut... Oui, c'est ça, c'est le bonheur de Guillaume, c'est son propre... notre propre bonheur à nous. Oui, enfin, je veux dire, ah, oui, ouais, il ne faut pas être heureux pour rendre les autres heureux. Enfin, oui, mais enfin, c'est bien, parce que vous voyez un enfant, hein, votre enfant, qui devient plus heureux, vous êtes aussi heureux. D'accord. Alors, il faut bon, bien sûr, se respecter des temps pour soi-même. Ça, je crois que avec Jean-Claude, on le fait. C'est-à-dire qu'on part des week-ends tous les deux. On essaye de mener une vie quand même qui soit la plus agréable possible. On a besoin de l'extérieur aussi. On a besoin de rencontrer nos amis. On a besoin de rencontrer du monde extérieur. Et puis nous détendre. Hein. Mais c'est vrai que je pense qu'on le respecte. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir la musique comme moment qui est très agréable pour que moi. Que vous partagez en plus. Enfin, pour que vous. Je partage avec. Ouais, ouais. Que je partage avec d'autres aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une chance pour moi peut-être aussi pour... supporter tout ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu deux affaires qui ont été jugées récemment de mamans qui ont supprimé leur enfant, qui ont toutes les deux été condamnées à ce que le tribunal appelle des peines de principe, c'est-à-dire des peines de sursis, 5 ans pour l'une et 3 ans pour l'autre, je crois, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, mais c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'elle n'en pouvait plus, elle n'en pouvait plus de le voir aussi comme ça et de voir leur enfant... qui ne connaissait que de très très rares instants de bonheur et d'après elle, parce que c'est toujours difficile à interpréter, de grands 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 moments de découragement et de malheur. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit, des pensées peut-être pas aussi violentes, non. Mais des... Non, moi, par contre, moi, ce qui me traverse l'esprit dans ce que je pense à ces mères, c'est qu'elles en sont arrivées là parce que ça devenait tellement insupportable et qu'il n'y avait pas probablement de structure autour d'elles pour les aider à une prise en charge correcte. Et là, tout le problème est là, finalement, pour nous, parents, d'autistes, même adultes, c'est qu'on n'a pas de structure adaptée, éducative. C'est l'hôpital psychiatrique, c'est pas un endroit pour eux. C'est un endroit, Sandrine Bonner l'a dit, il régresse. La prise en charge n'est pas adaptée. Donc il nous faut du personnel très spécialisé, des éducateurs. Nous, on essaye de recruter le plus possible. Bon, pour le moment, on n'a pas chez nous, mais c'est ce qu'on avait en région parisienne avant. Éducateurs spécialisés qui étaient formés pour l'autisme. Donc là, il y a quand même un soutien, une aide, c'est une collaboration parents-éducateurs. Hein. D'où l'importance de cette double journée de sensibilisation dont nous parlons c'est aujourd'hui. Fondamental. Et qui nous donne l'occasion de faire donc cette émission sur les adultes autistes. On avait déjà fait une émission sur les enfants autistes, mais il y a aussi beaucoup d'adultes et c'est peu connu. Gilles, vous comprenez ces mamans qui ont été jusque-là? Je comprends tous ces moments, je comprends. Moi, je suis très émue ce soir d'entendre toutes ces mères et ces jeunes gens qui sont comme ma fille, comme les autres jeunes gens qui sont dans le foyer, parce que je retrouve moi aujourd'hui ce soir. Vous m'avez demandé tout à l'heure quand on avait diagnostiqué mon enfant comme étant autiste. On ne l'a jamais fait. Elle a vu des psychiatres à partir de l'âge de 3 ans. On me disait, madame, vous aimez trop votre enfant, aimez-la un peu moins, ça ira mieux. Ce genre de choses. Madame, vous êtes en retard pour le rendez-vous alors qu'il y avait un blizzard et vous avez traversé des routes pour y aller. Vous êtes en retard, ça se paie, la guérison. C'était moi qui payais pour mon enfant. Moi, j'ai vu... Aujourd'hui, je rencontrais des psychiatres qui ne sont pas comme ça, mais ceux qui m'avaient soi-disant essayé de m'aider quand Amanda était petite n'ont rien dit. Pour la première fois de sa vie, à 20, elle avait quel âge, 22 ans, un foyer l'a acceptée comme elle est, au lieu de me la renvoyer en me disant « Mais madame, elle ne rentre pas dans le groupe, elle ne communique pas, elle n'a pas une relation sociale qui la permet, qui nous permet de la garder. » Sans la juger et sans vous juger, vous. Et puis de la garder, elle ne rentrait pas dans un groupe. Elle était autiste, en fait. Mais on ne me le disait pas, il n'y avait pas... Personne ne m'a jamais aidée là-dedans, je n'ai jamais rien su. Le seul endroit où enfin, à 22 ans, Amanda a trouvé une place, et je ne savais toujours pas qu'elle était autiste, vraiment, c'était au foyer de Verger de Sésame, où elle a une vie sociale, où on la comprend, elle communique comme elle peut, et on l'accepte comme elle est. Ouais. Et elle veut y rester. Et ça aussi, c'est la première fois de sa vie que ça arrive. Même si vous voyez beaucoup, si elle vous rend visite, si vous lui rendez visite, si elle s'y épanouit, elle a une relation amoureuse. Enfin, on verra son portage d'ici quelques instants. J'ai demandé à Catherine Milsan de venir nous rejoindre, qui est à la fois psychiatre et maman de 3 enfants, dont un enfant en plus. Bonsoir. Asseyez-vous là. Oui, vous êtes médecin psychiatre, maman de 3 enfants, dont un jeune homme de 21 ans qui se prénomme Ulysse. Qui est ici. Il est où, Ulysse? Où êtes-vous? Bonsoir, Ulysse. Ça va, Ulysse? qu'est-ce qu'il a dit? Bonsoir, maman. Bonsoir, Ulysse. Vous avez beaucoup œuvré pour le regard porté sur l'autisme en France à travers vos différentes recherches. Vous êtes battu pour l'ouverture des classes intégrées. Je pense que quand vous voyez aujourd'hui un garçon comme Erwan, ça doit vous faire beaucoup...
vous apporter beaucoup de plaisir. Vous avez créé la première consultation pour les adultes autistes à l'hôpital et vous avez traduit puis introduit en France un programme qui vient des États-Unis pour la meilleure prise en charge des personnes adultes autistes, où on est très en retard en France. Votre regard de mère et de médecin couplé sur ces mamans qui ont pas résisté, qui ont été jusqu'à supprimer leur enfant, est-ce que vous êtes compréhensive ? Non seulement compréhensive, je pense que ce sont des idées que tous les parents, un jour ou l'autre, avec les personnes autistes, ont senties, parce que c'est quand même extrêmement difficile. Les premières années en particulier sont extrêmement difficiles. Petit à petit, on comprend mieux le handicap, on comprend, on a une relation différente avec cette personne, mais dans les premières années, c'est vraiment tragique, parce qu'il y a un sentiment d'amour non partagé, c'est-à-dire, comme tous les parents, ou beaucoup en tout cas d'entre eux, j'ai eu mon fils qui, à certains moments, ne me regardait pas, ne me voyait pas. Quand je le prenais dans les bras, essayait d'en partir, courait d'un bout à l'autre de la maison et échappait toujours. Donc c'est une relation où l'autre n'est pas là au rendez-vous, et ça, c'est extrêmement douloureux. Et d'autre part, ils sont extrêmement fatigants, et surtout pour certains d'entre eux, c'était le cas également de mon fils, qui était ce qu'on appelle autiste hyperactif. À savoir qu'il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de courir d'un endroit à l'autre, de grimper aux arbres, de grimper aux murs, de descendre dans les bouches d'égout, enfin... Vous êtes senti au bord du ras-le-bol, enfin je veux dire, du vrai ras-le-bol, je veux dire. Oui, mais la question ne se posait même pas, c'était tout le temps. Je veux dire, ce n'était pas au bord du ras-le-bol, c'était 10 ans, peut-être même plus de ça. Donc, est-ce qu'on a le recul du psychiatre quand on est maman d'un enfant autiste? Pas du tout. De toute manière, on oublie qu'on est médecin. Vous savez, les psychiatres, malheureusement, mis à part le diagnostic, ils ne savent pas grand-chose de l'autisme. Ils sont formés... À certains fonctionnements du cerveau, quand même. Oui, mais vous savez, l'apprentissage, c'est pas que le fonctionnement du cerveau. Non, je sais bien, mais est-ce que ça ne peut pas servir justement à mieux comprendre? La réponse est non, quoi. Alors, on peut... Je dirais pas non de cette façon-là. Je dirais qu'on peut comprendre, effectivement, que certaines choses, par exemple, que le câblage... n'est pas le câblage habituel. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants, les bébés avec autisme, ne s'intéressent pas à l'environnement de la même manière. Hein ? Quand j'ai perçu moi-même que mon fils avait un problème, sur lequel je ne voulais pas mettre de nom, parce que, précisément, j'avais la vision de 20 ans après, 30 ans après ou 40 ans après. Que vous aviez connu plus tôt, que vous aviez observé plus tôt. Que j'avais vu, oui. Dans les mamans qui sont là, est-ce que vous avez eu des pulsions, madame? Vous avez eu parfois des envies de cesser cette relation de... C'est un fait que s'il n'y avait pas eu de solution du tout pour mon fils, c'était une hypothèse, c'était une chose envisageable et envisagée. Parce que c'est vrai que ça aurait été absolument horrible. Pour lui. Mais Dieu merci, je dirais, le fait de l'envisager, comme on veut la vie, on veut pas la mort, ça oblige à aller encore plus loin. Et c'est ce qui s'est passé, puisque finalement, il n'y avait rien, donc il a fallu créer un foyer, etc. Le fait d'envisager qu'il faille peut-être mettre un terme à sa vie, ça vous a donné envie d'aller plus loin, c'est-à-dire De faire l'impossible, le maximum. De vous dépasser pour ne pas en arriver là. Oui, c'est ça. Lille, vous avez connu ce sentiment, vous n'avez pas répondu à la question. Gilles, pardon. Oui, je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai en commun avec toutes les personnes qui sont là. C'est vrai que moi, je ne suis pas français, j'étais seule en France, j'avais deux enfants. Un petit accent allemand, je présente. Allemand, anglais, non. Anglais. Et j'étais toute seule, et je crois que, comme disait madame tout à l'heure, j'avais personne pour m'aider. Je me sentais vraiment très, très seule devant un enfant qui était épileptique, qui faisait énormément de crises, parfois 10 par jour, hospitalisé beaucoup, attaché au lit, où moi, j'insistais pour pas qu'elle soit attachée, rester avec elle. Enfin bon, des moments très, très difficiles. Et après chaque période de crise, elle ne se levait plus pendant une journée. Elle était très mignonne, elle s'est dégradée de jour en jour. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais quand même assez déprimée et je me suis dit, mais elle peut pas, je ne veux pas qu'elle se dégrade jusqu'à ce qu'être plus rien, de ne pas avoir une vie comme nous tous. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça, mais je pense que j'aurais fait quelque chose, c'était elle et moi. Hein. C'était pas seulement elle, c'était elle et moi qui devaient disparaître. On était ensemble, on était une ensemble, et je l'aimais tellement que je ne pouvais pas imaginer... mais bon, je pense que c'est des moments qui passent dans la tête, comme on disait tout à l'heure, de toutes les personnes qui ont des enfants handicapés et durs, parce qu'on veut qu'ils aient une vie, on veut qu'ils puissent avoir une vie comme tout le monde. Mais
cette réflexion-là, peut-être qu'on passe par là, comme disait Odile, ça nous aide à aller plus loin, parce qu'on continue à lutter. Moi, j'avais un autre enfant, j'étais seule avec elle, et ça nous oblige aussi peut-être à dire non, mais non, on va faire quelque chose. Et on lutte aussi longtemps qu'on peut, et on lutte, je crois, toute la vie, en fait. Mais les enfants ont besoin de soutien, les parents aussi ont besoin d'être accompagnés. Souvent, ouais. Vous avez fait une psychanalyse, vous, par exemple. votre fils a connu Françoise Dolto, qui vous a prodigué des grands conseils dans les années 70. Ouais. Votre expérience est moins positive. Oui, c'est-à-dire, personnellement, j'étais psychanalyste en Argentine. Ouais. Donc, j'ai fait une psychanalyse pendant 7 ans, mais bien avant d'avoir un fils autiste. Et donc, c'était un système de raisonnement, en fait, qui ne m'a pas du tout aidée avec mon fils autiste. Par contre, à cette époque-là, quand le diagnostic a été fait, il a été fait très vite. Hein, il a été fait, bon, je me suis alarmée à peu près vers 5-6 mois. Bon, je ne voulais pas voir qu'il s'agissait de ça, mais je savais que c'était de l'autisme. Bon, quand le diagnostic a été fait, mon fils avait 10 mois. Hein, et à ce moment-là, c'était bon, il y a 20 ans en France, donc à peu près la seule opportunité qu'on avait était une psychanalyse. Donc j'ai commencé une psychanalyse en me disant que pourquoi pas, à la limite, ça pouvait m'aider. Mais j'y retrouvais toutes les choses que je savais dans mon métier puisque je les avais maniées. Je n'étais plus psychanalyste à cette époque. Je m'étais tournée vers le comportementalisme, vers ce qu'on appelle le behaviorisme. Et les ressources de la psychanalyse classique, enfin freudienne, si vous voulez, ne m'ont pas du tout convaincue ni aidée par rapport au quotidien avec mon fils. Donc, je l'ai abandonné assez rapidement et j'ai commencé à essayer de voyager à droite et à gauche pour voir quels étaient les programmes qui me paraissaient apporter plus au quotidien. Ouais. Voilà. Ce que vous avez trouvé aux États-Unis ? Oui, c'est-à-dire j'ai trouvé effectivement un monde tout à fait différent, c'est-à-dire qui était pour qui les diagnostics étaient médicalisés et faits beaucoup plus tôt, mais surtout qui ne médicalisait pas la rééducation, c'est-à-dire qui en faisait de l'éducation. C'est-à-dire c'était donc les personnes qui intervenaient auprès des autistes étaient des instituteurs ou des éducateurs, ils étaient formés à la pédagogie, ils étaient formés à l'enseignement du langage, à l'enseignement de la lecture, de l'écriture, et donc la communication y était enseignée par des gens qui étaient des professionnels de l'éducation. Et donc j'ai trouvé une énorme différence entre une réponse médicalisée qui était très très vite sous forme de puisque c'est une anxiété et puisque c'est le fait de la personne, la réponse à donner, elle est médicamenteuse ou elle est hospitalière. Et une philosophie tout à fait différente qui était dérivée du behaviorisme qui disait attention, non, il s'agit de personnes qui n'apprennent pas comme d'habitude. C'est-à-dire, on ne disait pas ils sont malades, on ne disait pas ils ont des angoisses, même s'ils en avaient. Ils sont câblés différemment. Ouais. Voilà, ils n'apprennent pas comme d'habitude. C'est-à-dire, ils n'apprennent pas par observation, ils n'apprennent pas par imitation. Ils n'apprennent pas. Donc, la première chose, non, on va leur enseigner à imiter. Or, ce sont des enfants pour qui le regard ne fonctionne pas comme d'habitude. C'est-à-dire, ne leur apporte pas l'enseignement qu'il apporte à des personnes non autistes. Donc, ce que faisaient les collègues de l'autre côté de l'Atlantique, c'était d'enseigner d'abord l'intérêt pour les personnes, l'attention, le regard et l'imitation, de telle manière que, par la suite, les personnes puissent apprendre de leurs congénères par imitation. Donc, ils leur apprenaient à apprendre, en fait, quoi. Enfin, absolument, ouais. Absolument. Et donc, l'idée, c'est que les gens présentent des comportements, en fait, qui sont liés aux réponses. Or, dans la psychanalyse, on se pose toujours la question pourquoi est-ce que quelqu'un se comporte comme ça? Donc, on cherche dans sa personne, dans sa personnalité, dans sa tête, qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'il est agressif? Alors, côté behavioriste, et c'est un peu pour répondre à Sandrine, c'est l'idée, c'est que quelqu'un n'est pas agressif. Ça n'est pas dans son être, l'agressivité. Il pose un acte agressif. Par exemple, il mord son voisin. Bon, ce voisin, il va répondre, ou il va se passer un certain nombre de contingences dans l'environnement comme réponse. Et ces réponses, si elles lui amènent un bénéfice à cette personne, il va mordre de plus en plus souvent. Imaginez un hôpital où il y a peu de personnel, quelle est la manière la plus radicale de faire venir quelqu'un dans les 5 minutes qui viennent? C'est d'agresser. Alors, petit à petit... Donc, il provoque une réaction, donc il faut faire attention à la sienne une fois qu'on a identifié complètement, ça. Complètement, parce que le problème, c'est que ça, c'est appris.
Plus, donc ça, ça plus va il faut réagir, plus ils savent que ça, ça fait réagir. Quoi. Voilà. Donc, ouais. Pour des gens qui ont peu de possibilités d'expression verbale, le comportement et surtout la réponse qui est donnée dans le comportement va faire que ça se produit de plus en plus souvent, de moins en moins souvent. Alors, donc, concrètement, par exemple, dans ce cas précis, quelle réponse faudra-t-il avoir quand on est toujours obligé d'intervenir quand il y a une agression, quand il y a une morsure. Mais on va intervenir de manière extrêmement... Je veux dire, cette dame qui disait comment on lui avait dit de donner un bain, ce qui était probablement une erreur, mais enfin c'était l'idée de détendre, mais elle a été parfaite. Parce qu'elle a donné le bain, mais tout en étant extrêmement sèche et peu communicative. Et c'est surtout ça qui était important. Pour dire que ce n'est pas une façon de demander un bain, voilà, en revanche, un bain va te calmer. Quoi. Voilà, je dois dire, même ça aurait été encore mieux s'il avait été privé de bain ce jour-là, alors qu'il adore ça. Parce que le but, bien entendu, du bain, on le comprend, il était d'essayer de détendre la personne et de la désaccélérer et d'éviter qu'elle agresse à nouveau. Mais qu'est-ce qu'elle apprend, cette personne? Elle apprend qu'elle a des choses agréables quand elle fait des choses agressives. Si vous voulez, le gros problème, donc, il est par rapport à des comportements qu'on veut essayer de supprimer, il faut que ces comportements soient suivis de choses qui ne leur apportent pas des avantages. Et par contre, chaque fois qu'il n'y a pas ces comportements agressifs, alors là, que ça se traduise en communication. Alors, tout ce système de raisonnement qui est vraiment très différent du système de réflexion freudien, qui est le système de réflexion behavioriste, s'appelle modification du comportement, est très développé de l'autre côté de l'Atlantique et dans les pays du Nord. Donc ça a donné naissance au Teach pour les adultes et à la BEA, qui est surtout employée chez des très jeunes enfants de moins de 3 ans. Et les résultats qu'ils avancent sont quand même de 47% de personnes qui peuvent réintégrer une scolarité à peu près normale. C'est colossal. Bon, ce sont des résultats avancés. Moi, je dois dire, là-dessus, il faut peut-être avoir un tout petit peu... Il faut peu un peu plus de recul pour pouvoir vérifier ces chiffres. Comment va Ulysse aujourd'hui? Quel est son degré d'indépendance? Est-ce qu'il fait des progrès? Alors, Ulysse a fait beaucoup de progrès, continue à faire beaucoup de progrès. Il ne peut pas encore, être indépendant, loin de là, mais il comprend de mieux en mieux le langage. Et il est capable d'être partout, c'est-à-dire de venir à une émission, mais également de prendre un avion, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Donc, il n'est pas exclu de la société. Il comprend de mieux en mieux le langage. Il a appris à lire, à écrire. Alors, son degré de lecture est celui du très concret, hein, il ne lit pas Proust, hein, mais il peut aimer lire et prendre un livre, par exemple, dans l'avion et regarder son livre. Et surtout, ça lui permet de mieux comprendre les mots. Donc, et l'importance du contact de ses frères et sœurs qui l'encadrent aujourd'hui, vous êtes frères et sœurs? Faut leur demander. Bref, j'aimerais bien. Ouais. Faut leur demander. Qu'est-ce que vous diriez de la complicité qui vous unit à votre frère? Il aime beaucoup bouger. Et nous aussi, donc on lui fait faire beaucoup de sport, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un frère qui est un peu différent dans son comportement, mais que vous semblez comprendre et aimer? Qu'est-ce que cette différence vous apporte? Comme disait la dame, je ne sais plus son nom. Ça dépend. Odile, Gaëlle? Oui. Gaëlle, la dame du milieu, la jeune fille. Même, voilà, la jeune fille. Ça nous a appris à être tolérant aussi et à être patient surtout. Quels sont les moments de plaisir particuliers que tu trouves au contact de ton frère, que tu ne trouves pas avec d'autres? Sa spontanéité, en fait. Ouais. C'est ça, qu'il dit toujours la vérité, enfin, il dit toujours ce qu'il... Non, mais non. Bon, il nous surprend, on sait jamais ce qu'il va faire. Et à l'inverse, il y a des moments qui sont plus difficiles? Plus trop maintenant, mais quand il était petit, quoi. Quand il faisait des colères, tout ça. Ouais. Et maintenant, il fait non, plus de colère? Non, il est sage. Est-ce que t'es sage? Je suis sage. Vous avez combien, d'enfants, madame? Trois. Vous avez des problèmes, vous, en revanche, avec les frères de votre fils qui est autiste? Enfin, pas des problèmes, avec eux, ça va très bien, mais... Pas vraiment. Disons que... Excusez-moi, j'ai mal posé la question. Quand ils étaient plus jeunes, ils ont vécu ensemble, ils ont grandi ensemble. Maintenant, ils sont adultes, ils ont pris leur vie, chacun de leur côté, ils travaillent. Peut-être que moi aussi, au fond, je ne fais peut-être pas tout ce qu'il faut pour les inciter à venir, parce que c'est peut-être plus simple, au fond, finalement, d'être seul avec François. Pourquoi ? Disons qu'il y a tellement de... Il faut tellement gérer le temps, l'espace, chaque chose est prévue d'une façon très précise pour que les choses se passent au mieux, pour qu'il n'y ait pas de crise, pour que François soit à l'aise, soit bien,
que dans un sens d'introduire d'autres personnes, ça va aussi compliquer l'existence. Et peut-être que moi, de mon côté, je devrais faire aussi un effort, oui. Peut-être eux-mêmes. Un effort des deux côtés pour arriver à se retrouver ensemble. Quel âge ont ces trois grands garçons? L'aîné a 34 ans, le plus jeune a 30 ans. Mais est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'il a été favorisé par rapport aux autres? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont... Je ne sais pas, eux seuls pourraient le dire. Personnellement, j'ai eu quand même le souci de ne pas faire de François le centre du monde. J'avais le souci que les autres... Bon, il y en avait un qui était d'une certaine façon, entre guillemets, bousillé. Je n'avais pas envie que les deux autres payent trop cher. Mais vous savez, c'est quand même, on vit ensemble, et les faits sont là. Alors, je ne peux pas me mettre à leur place, je ne peux pas dire ce qu'ils ont ressenti vraiment, c'est très difficile. Gaëlle, vous avez eu l'impression, parfois plus petite, que votre frère jumeau prenait plus de place, trop de place? De toute façon, c'est sûr qu'il a pris plus de place que mon autre frère et moi, parce qu'il a besoin plus d'attention, ouais. De toute façon, c'est sûr. Je ne dis pas non plus que mes parents m'ont délaissé, pas du tout, hein, mais de toute façon, c'est clair que mes parents étaient beaucoup plus pris par lui. Et puis ma maman, qui en plus elle est présidente d'une association, elle s'est vraiment engagée dedans. Donc c'est vrai que ils sont peut-être un petit peu moins préoccupés de nous. Mais ça vous a un peu manqué quand vous étiez petite, même si vous le comprenez avec du recul aujourd'hui? Avec le recul, je comprends tout à fait aujourd'hui. Ouais, ouais. Hein, mais à l'époque? Mais c'est vrai que il y a eu une époque où ça a été assez dur. Ouais. Est-ce que ça vous a éloigné de lui un moment? De votre frère? Je crois pas, non. Non, 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 ça non. Qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit votre jumeau par rapport à un autre frère? Déjà, je peux pas dire par rapport à... Si ça avait été un jumeau normal, je peux pas dire comment j'aurais ressenti ça, mais moi, je compare par rapport à mon autre frère. J'ai toujours été plus proche de Sylvain. Je dessine beaucoup, donc j'essayais de le faire dessiner, le faire des activités le week-end... Dès que je pouvais, en fait, j'essayais de m'occuper de lui. Mon autre grand frère le faisait beaucoup moins. Enfin, j'ai cette sensation. Après, je sais que parfois, j'ai fait du sport, je fais du handball. Et quand il venait me voir à des matchs de hand, souvent, à la mi-temps, il avait du mal à comprendre que c'était en deux parties, le match. Donc, à la mi-temps, il venait me chercher, alors que j'étais avec mon entraîneur, avec mon équipe, il venait me chercher par la main pour me dire « Allez, Gaëlle, on y va, quoi. » J'essaie de lui expliquer, non, Sylvain, c'est pas... Il y a une deuxième partie. Voilà. Et on va gagner. Voilà. Donc je pense qu'il me recherche peut-être un peu plus. Ouais. Il est dans un centre, et il rentre chez vos parents, vous allez le voir une fois toutes les trois semaines aujourd'hui, c'est ça? Oui. À peu près. C'est un peu... c'est trois semaines, quand, un mois. C'est quand vous voulez, oui. Pas quand on veut non plus, parce que déjà, il faut qu'il s'habitue à son nouveau centre, donc... Gilles, à propos de centre, parce que là on va partir pour regarder ce reportage étonnant et qui, à mon avis, doit beaucoup faire réfléchir sur la façon qu'on a d'encadrer aujourd'hui les autistes pour leur apprendre à mieux vivre et essayer de leur donner des moments de bonheur, parce que c'est quand même ça, hein, le but du jeu. Vous allez souvent lui rendre visite, elle vous rend visite, comment ça se passe? C'est quand vous le souhaitez, quand vous le voulez? Moi, j'y vais beaucoup en ce moment. Oui, depuis un an, je vais beaucoup la voir quand je veux. On peut aller quand on veut les voir. Il se fait que vous moi, l'empêchez jamais? Non. J'y vais particulièrement souvent. Amanda aussi voyage en train. Ça va, Gaëlle? Comme Stéphane. En écoutant Gaëlle aussi, je pense à la sœur d'Amanda qui dirait les mêmes choses, je pense, que Gaëlle par rapport à sa relation avec moi. C'est très difficile pour une fratrie d'avoir un enfant, parce que c'est pas elle adore sa sœur comme Gaëlle son frère, mais c'est très difficile de vivre ça. Enfin, Amanda, pour revenir à Amanda, donc elle voyage en train, donc elle rentre le vendredi soir en train toute seule. J'ai mis en place un système un petit peu avec la SNCF, l'accueil des handicapés de la SNCF, qui sont normalement pour des handicapés physiques. Donc ils acceptent de la mettre dans le train. Il rit, Stéphane. Pourquoi? Il m'a semblé entendre quelqu'un éternuer. Alors, on va maintenant partir pour ce centre que vous allez découvrir, si vous voulez bien, Stéphane, en suivant ce reportage. Où est donc votre fille aujourd'hui? Le centre dirigé par Christian Nigli, qui manque de place. Sur quels critères sont, si je puis dire, sélectionnés les pensionnaires?
Donc, comme l'a dit Madame. En fonction de la disponibilité, d'accord. Voilà, en fonction de la disponibilité. Et puis, comme l'a dit Madame Emery, ils sont orientés par la Cotorep, donc, qui est une commission d'orientation. Et donc, en fonction du diagnostic qui a été posé. Donc, c'est un centre qui accueille 24 adultes autistes de tout niveau, de 20 à 46 ans, oui. Qui mélange donc les différents niveaux d'autisme. Est-ce que ce n'est pas une source de difficultés supplémentaires? Non, ça peut être aussi une source d'enrichissement, puisque justement. Ça peut, mais est-ce que ce n'est pas le gueux? Il y a une difficulté en tout cas pour le personnel, hein, pour prendre en charge une telle variété de personnes, mais je crois que c'est en même temps important qu'il y ait cette grande variété, parce qu'effectivement si on avait 24 personnes autistes gravement atteintes, ce serait invivable. Je voulais préciser quand même par rapport aux relations de l'établissement avec les parents. Je veux dire, les parents ne viennent pas comme ça n'importe quand. Je crois que c'est important que le foyer, c'est bien le lieu de vie des résidents. Ce n'est pas d'abord le lieu de vie des parents, c'est bien le lieu de vie des résidents. Donc il y a des règles, j'allais dire, pour les parents qui viennent visiter leur enfant en milieu de semaine, donc le mercredi soir, c'est aménagé. Et puis ils viennent les rechercher, pour ceux qui viennent les chercher, donc le vendredi soir ou le samedi matin. Ah bah c'est parce que vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que... Madame Emery a une situation un petit peu particulière. Ah, parce que Emery est privilégiée. En quelque sorte, puisque depuis une année, donc, elle a réalisé un documentaire sur la vie d'Amanda au foyer et la vie aussi dans la famille. Alors nous avons réalisé un reportage de Gilles Couder et Lauriane Chouraki vous ont suivi pendant quelques temps pour s'apercevoir que c'était un endroit où on dormait mais aussi où on s'activait pendant la journée, qu'il y avait toutes sortes d'activités de travaux qui étaient proposées aux résidents, mais que chacun était libre aussi de faire ou de ne pas faire, ce qui est important. Il se trouve qu'Amanda, le jour où on a été tourné, n'était pas pressée de se lever, tandis que d'autres partaient travailler un travail qu'ils avaient choisi entre plusieurs occupations qui leur sont proposées. C'est un reportage donc de Gilles Couder et de Lauriane Chouraki. Amanda, coucou, c'est moi. Ah, ben, j'avais promis que je vais te rechercher en 5 minutes, hein? Viens avec nous, Amanda. Non. Allez, viens avec nous. Non. Non. Non? Tu peux pas vivre que dormir. Laisse-moi. Amanda, je vois que t'es réveillée. Non! Tourne un œil. Je reviens dans 5 minutes. Tu veux revenir vers la Cécile? Elle pète. Amanda. Laisse-moi tranquille. Manu! Manu, t'as envie de te lever maintenant? Les résidents les plus dépendants, si ce n'est le plus dépendant du foyer. Manu, il est dépendant dans tous les actes de la vie quotidienne. Pour manger, s'habiller, se laver, enfin je veux dire, il ne peut rien faire seul. Oh, bah là, je crois qu'il est pas mal. Hein. Là, je crois qu'il est bien, là. En plus, on est près de lui. Il prend plaisir, il est quelqu'un qui est au frère. Oui, bah tu peux te croire, oui. Ouais. Tu t'es bien moqué ce coup-là, hein. Attends, je vais aller chercher quelque chose pour le nez. Je vous appelle vous. Oui, lui, côté joueur, bien sûr. Ah oui, t'es malin, toi. Hein. T'es tout malin. Hein. Tu t'es aperçu qu'il y avait du monde et puis, en plus, monsieur le directeur est là, à côté de toi. Amanda? Tu ne me laisses même pas discuter, Amanda. Je m'en fiche. T'as pas envie de venir? Non. Faire de la peinture? Non. Sur tes petits pots? Pour le pain! Excuse-moi, Amanda, je te réveille, hein. Tu veux vraiment pas te lever? Non. Bon, ma foi, je te laisse. Vous savez pas laisser dormir sur ta planète, hein? Ben, je vais revenir systématiquement tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, mais bon, à chaque fois, c'est la même chanson. Dans ce centre, pas de contraintes. Pendant qu'Amanda rechigne à se lever, d'autres sont déjà sur le chemin de l'atelier. Et les résidents ont le choix de travailler ou non. Ce groupe de quatre sort du foyer pour aller emballer des pièces automobiles. Ici au boulot. Je sais toujours, moi, les mettre. Oui, mais là, à mon avis, t'es perdu. Hein. Donc celle-là, c'est bon. Celle-là, il y a un petit problème.
Bah alors, t'es sûr que c'est dans le bon sens? Je sais pas. Non, j'ai pas rêvé. Oh oui. Ah bah t'as vu, quelqu'un qui connaît rien, je me débrouille pas mal. J'ai rêvé, non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'irai plus. J'irai plus de la maison. On n'aurait pas imaginé qu'il puisse aussi bien réussir au travail, Damien. Hein, parce qu'on a connu, et Damien a connu des difficultés depuis son arrivée au foyer, hein, avec des troubles de comportement importants, des phases d'agressivité. Difficultés. Ça part pas, c'est... Ouais, mais quand tu es, depuis que tu es arrivé au foyer, il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles pour toi. Ouais. Hein? T'es un peu agressif. Hein? T'es un peu agressif. Ouais. Tu mordais. Ouais. Hein? Tu mordais les autres résidents. Mmh. Hein? Alors que maintenant, c'est des choses que tu fais plus. Hein? Tu t'intéresses à autre chose. Mmh. Tu n'as plus les autres. Non. Je m'en pousse, je tape le cou. Puis tu te mords quand même. Ouais. Hein? Ça m'arrive des choses. C'est où que tu te mords? Là. Tu montes? Tu veux montrer? Hein? Voilà, voyons. Et pourquoi tu te mords comme ça, Damien? Je sais pas. C'est violent quand même, hein, ça. Oui, très violent. Effectivement, on peut l'interpréter comme un signal ou un appel à l'aide. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, soit de nous, soit de lui, et puis qui a besoin d'explications. Tout le travail qui est fait au foyer, c'est essayer avec eux de créer, j'allais dire, de la vie avec eux et des esquisses, des ébauches de relations et voir un travail relationnel plus important, donc sortir de cet isolement. On peut prendre ta boîte. Retour au centre. Ce matin, les cas les plus lourds sont au rez-de-chaussée. Ils sont trois et réunis autour d'un poste de radio. La journée s'achève, il est 19h, Amanda émerge enfin. Pourtant, c'est l'une des premières à se rendre au réfectoire. Mais pourquoi tu n'as pas été aux activités aujourd'hui? Parce que j'avais pas envie. Et pourquoi tu n'en avais pas envie? Parce que j'ai pas envie et j'ai pas envie de travailler. Bonjour Amanda. Salut. On accepte tout à fait, enfin, c'est bien dans le projet d'établissement aussi qu'ils puissent avoir une vie intime, j'allais dire, donc ça nous a pas... Ils ont l'air très amoureux, hein. Oui, en tout cas, il y a des manifestations. C'était bien, tu sais. Dimitri et Amanda sont arrivés ici presque ensemble il y a 3 ans. Très vite, ils ont été attirés l'un par l'autre. Ça, c'est Amanda en photo avec moi. C'est qui? Amanda avec moi, en cadre. C'est mon amoureuse. Et ça fait comment quand tu l'as vue? Ben, ça fait bizarre. Comment? C'est quoi bizarre? J'ai amoureux, c'est tout. Alors, t'étais les lire? Mmh. Et t'as répondu quoi? Elle m'aime. T'as répondu qu'elle t'aimait? Ouais. Très amoureuse? Ouais. Et t'as pensé à avoir un enfant, Amanda, toi déjà? On ne peut pas. Là, la pilule, on ne peut pas. C'est pas possible. Et pour la pilule, Amanda? Ouais. Moi, je voudrais bien qu'il m'en fasse un. On peut pas. C'est pas possible, Amanda. Pour me faire plaisir un coup, Dimitri. Pourquoi il dit que c'est pas possible, Dimitri? Parce que l'éducateur ne veut pas. Il veut pas parce que. Parce que. Je sais jamais. Je peux rêver, Amanda, de toute façon. On se rendra. On peut demander, on dirait non. Mais là, ils voudront. Thank you.
Madame, bonjour, ça va? Gilles est la maman d'Amanda. Elle vient la voir pratiquement chaque week-end. Pourtant, elle a encore des surprises. Tiens, 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 pour changer. Comment ça se fait que t'es pas en bas avec, au café avec les autres Amanda? Mais je t'attendais, là. Bah oui, mais d'habitude, tu m'attends en entrée ou en bas, mais pas couché, quand même. Hein? Tu vas pas te lever, là? Justement, je me levais, mais je t'attendais. Parfois, moi, je me dis qu'elle a fait le choix d'être. Elle a fait un peu le choix d'être ce qu'elle est. Quelque part. Amanda, c'est quelqu'un qui a toujours perturbé les gens qui ont travaillé avec elle, les éducateurs, et dans les différents centres où elle était, parce que... Ou les éducatrices, comme tu dis. Parce que on a toujours l'impression qu'elle pourrait faire plein de choses, qu'elle pourrait faire plus. Elle parle quand même, elle peut aussi être très lucide parfois. Et pour moi, Amanda a fait le choix d'être comme elle est un peu. Tu le veux pas vraiment de t'avoir mis ici? Ça dépend des jours. C'est-à-dire? Et quoi tu lui en veux? Ah, c'est vraiment... Ah bah, je sais pas, mais ça dépend des jours. Je sais pas si ça dépend du menu. Parfois, quand tu t'es engueulé avec quelqu'un, peut-être. Et moi, je sais. De toute façon, c'est toi qui as choisi de venir là. On a discuté. J'ai dit, est-ce que tu veux y aller, Amanda? Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de ça? Moi, je travaillais loin. Et on est venu visiter et j'ai dit, alors Amanda, est-ce que tu veux venir ici? Tu te rappelles ça? Hein? Oui. Ah! T'as pas maigri depuis la dernière fois. Hein? Je sais. Entrez? Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Hein? Comment tu vas? Bien. Il est parti en vacances. Hein? Il est parti en vacances, t'es parti où? C'est ma tata. C'est ta tata? Tu me fais la bise? Vous connaissez bien Dimitri? Moi, je connais pas du tout Dimitri. Hein. Si. Jusqu'à un certain moment, j'ai toujours espéré qu'elle aurait une vie, une famille comme tout le monde. Et quand je l'ai emmenée ici, pour la première fois, je me suis dit, elle n'en aura pas. Amanda n'aura jamais d'enfant, elle n'aura jamais de fiancé, elle n'aura jamais personne dans sa vie comme moi j'ai pu avoir. Salut. Bonjour, Fabrice. Là. Bonjour, Catherine. Mais quel est un amoureux? Elle est têtue, hein? Quand elle veut quelque chose et... Et bon, elle en a eu un autre avant Dimitri. Hein, Dimitri? Mmh. Avant toi, il y avait quelqu'un d'autre. Ouais. Hein? Mmh. T'es jaloux? Ouais. Tu sais ce que ça veut dire d'être jaloux? Ouais. Moi, je pense qu'Amanda cherchait ça depuis longtemps et je suis pas surprise et je suis heureuse pour elle. Hein? Un bébé. Elle voudrait avoir un bébé. Hein, Dimitri? Elle rêve, ouais. Mmh. Tu crois qu'elle rêve, oui. Mais Amanda, elle aime bien rêver. Elle rêve. Et vous savez à quoi elle rêve? Pardon? Vous savez à quoi elle rêve? Je sais qu'elle rêve au prince charmant. Oui, elle rêve d'avoir un bébé. Et ce jour-là où elle est restée couchée, ça fait qu'elle a une nièce, ma fille aînée, a eu un bébé cette semaine, depuis une semaine, et c'était juste avant le reportage, et elle n'avait pas encore vu, mais elle avait appris cette naissance, alors que pour elle, avoir un bébé, c'est le but de sa vie. Est-ce que c'était le bébé ou est-ce que... On ne sait pas, elle voudrait vraiment avoir un bébé. Donc c'était très important, je crois que c'est aussi pour ça qu'elle était restée au lit beaucoup cette semaine-là, parce qu'elle s'est renfermée avec ça, elle n'avait pas encore découvert ce... Mais vous pensez qu'elle serait capable d'élever un enfant, d'élever un bébé? À votre avis? À mon avis, ça paraît difficile. Oui. Oui. Le vôtre aussi. Ah oui, c'est impossible. Pas... Impossible. Oui. C'est impossible. À certains moments, quand on en parle avec elle, elle-même voit bien les limites. Hein, et que ça reste du domaine du rêve. C'est ça, on va dire. Si vous parlez avec elle, par exemple, du fait d'avoir un bébé, de comment ça se passera ensuite, qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, à ce moment-là? Comment vous... Elle me dit, mais si, maman, je sais, comment tu t'occuperais d'un bébé, Amanda? Bah, je lui donnerai un biberon. Et puis s'il pleure toujours, ben, je lui donnerai un deuxième biberon. Donc elle sait, mais elle refuse d'entendre, c'est comme tout. Elle croit au Père Noël, elle croit à Blanche-Neige, elle croit que Walt Disney, c'est vrai. Tout ce qu'elle voit, et pourtant elle sait, maman, c'est toi le Père Noël, je le sais, mais quand même, quand il viendra et je le verrai dans le ciel, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Donc tout en sachant la réalité, Amanda a décidé quelque part pour moi de rester dans ce monde de rêve. C'est ce que vous disiez, c'est ça. Pourquoi vous dites qu'elle a fait le choix d'être comme ça? Quelque part, je me dis ça parce qu'elle est très lucide parfois. Elle a choisi la vie qu'elle fait, elle mène cette vie d'adulte. Il y a un éducateur dans le centre qui m'a dit une fois, je lui ai dit, mais quand elle reste des journées comme ça, on n'avait pas envie de lui donner un coup de pied parce qu'à la maison, je lui donne un coup de pied aux fesses, elle se lève. Moi, je ne supporterais pas qu'elle reste toute la journée couchée.
Et Serge m'a... Ça m'aurait fait rire. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, Stéphane. En fait, il m'a répondu quelque chose qui m'avait énormément mue à ce moment-là. Il a dit qu'il avait travaillé dans un autre centre avec un autre jeune résident comme Amanda, qui mangeait beaucoup, parce qu'elle mange beaucoup. Elle, ses plaisirs sont ce genre de plaisir-là. Elle remplit sa vie avec ça aussi. Et il m'avait dit, François était comme Amanda. Sa maman ne travaillait pas du tout, elle était pharmacienne aussi, comme vous. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de son enfant, elle ne faisait que ça. Et il secouait François pour l'obliger à faire des activités, pour toujours obliger à faire des choses. Et un jour, François, comme Amanda peut le faire, comme elle fait toutes les semaines, a fait une crise d'épilepsie, et il est mort. Alors il m'a dit, vous savez madame, on ne sait pas combien de temps Amanda vivra. Alors si elle a choisi sa vie d'adulte comme ça, peut-être que nous aussi, nous devons la laisser vivre comme ça en lui proposant les choses qu'on peut lui proposer. Et en la lui laissant faire ce qu'elle a envie de faire. C'était la remarque de Serge. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus sereine. Elle demande à rester parfois au centre le week-end. Jamais de sa vie, elle n'a fait ça. Elle a des amis, elle a une vie sociale, elle vit dans une communauté, dans une grande famille où il y a une joie de vivre. Quelqu'un disait tout à l'heure, où il y a une franchise. Ils sont très directs, comme Stéphane. Et moi, quand j'y vais parfois pour me reposer de notre monde. Une belle phrase. Je voudrais à Sandrine Bonner de venir nous rejoindre pour la conclusion de l'émission, Sandrine. Mademoiselle Sandrine. Bonsoir, Sandrine. J'en prie, assez. Merci. Vous avez posé pas mal de questions. Je n'ai pas voulu apprendre des choses de cette émission. Vous avez beaucoup observé votre fille, votre sœur, votre petite sœur qui n'a un an que moins de vous. Est-ce que vous avez pu apprendre des choses aujourd'hui sur l'autisme et tous ses corollaires et des comportements? Ce qui est rassurant, c'est que finalement, elle n'est pas si différente. Quand je vois, par exemple, sur la violence, le fait de se mordre les mains, on l'a vu à plusieurs reprises dans les reportages. Donc je me dis, ça fait vraiment partie de la maladie. C'est pas elle, et puis c'est pas... C'est pas spécialement elle, quoi. C'est pas spécialement elle, ouais. Et puis c'est pas non plus ce qu'elle a vécu, parce que ma sœur n'a pas eu la chance, d'être si coucounée, je dirais. Là, je vois des mamans qui sont très... D'ailleurs, je suis... Mesdames, je tire mon chapeau, parce que c'est pas facile. Et moi, ma petite sœur a vécu dans une très grande famille. On est 11 enfants. Donc, pour ma mère, c'était une difficulté en plus. C'était... Oui, c'était moins serein, disons, moins tendre pour ma petite sœur. Vous avez pensé de l'émission de ce soir, alors, en écoutant tout le monde? Qu'est-ce que vous en garderez? Il me manque juste un petit détail. On a parlé de gens qui ont des familles. J'aurais aussi aimé qu'on aborde ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui sont... Parce qu'encore une fois, c'est une chance, encore une fois, il y en a qui sont dans des centres. Sauf madame, votre fils qui... Alors, d'ailleurs, j'aimerais savoir comment ça se passe quand on a une aide comme ça. Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que... Parce que je pense à une maman qui n'a pas de lieu de pour son enfant. Ou... Vous êtes obligé d'être à la maison. Effectivement, c'est tout à fait à notre charge. Donc, c'est vrai que c'est terrible de voir que... Nous, on a eu la possibilité d'instaurer ça parce qu'on avait un peu de place. On pouvait le faire aussi financièrement. Il y a des familles qui se trouvent dans des cadres de vie extrêmement difficiles, qui n'ont pas la possibilité non plus de recruter des personnes. Et à ce moment-là, le défaut de prise en charge, en plus adaptée, crée des problèmes de comportement qui ne font qu'aggraver encore, et qui rendent la situation intenable aux familles. Et c'est là vraiment, je crois qu'il y a vraiment un cri d'alarme à pousser, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse avoir du personnel spécialisé, des structures, absolument. Des structures de loisirs. Pourquoi ces enfants n'auraient pas de loisirs? Guillaume, il a eu la chance à un moment d'avoir une éducatrice intéressée par le poney. Il faisait du poney. C'était extraordinaire le contact, être l'animal aussi. Il était capable de tenir, malgré tous ses problèmes, de tenir à cheval sur le poney. Et c'était des moments extraordinaires. Donc il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment terrible. Pour moi aussi, je me dis, Guillaume, il a de la chance parce qu'on est présent, on est capable de le faire, on a la solidité pour le faire pour le moment. Mais bon, il y a plein de jeunes adultes qui se trouvent, et dont les familles se trouvent dans des situations dramatiques. Et c'est vraiment là où je crois qu'il faut crier. C'est le cri d'alarme, c'est les pouvoirs publics qui peuvent faire quelque chose aussi.
Et chacun d'entre nous, donc, grâce à ces journées de l'autisme du 19 et 20 mai, qui sont donc là pour, donc c'est dans quelques jours, qui sont donc là pour nous sensibiliser à cette maladie extrêmement mal connue, maladie ou handicap ou trouble, mal connue, qui demande évidemment des sous pour créer ces structures, qui demande un effort de la part des pouvoirs publics, et puis aussi sans doute une prise de conscience de la part de tous les citoyens. Ceci dit, la prise en charge dans des structures adaptées, comme ça, vraiment spécialisées pour l'autisme, coûte moins cher que des journées en hôpital psychiatrique. Absolument, c'est moitié moins cher. Donc c'est extrêmement fort pour nous. Pardonnez-moi. On a été très long. Beaucoup de choses n'ont pas été dites ce soir, donc certaines personnes sont certainement frustrées. Donc je vous renvoie évidemment à notre site internet, vous aurez beaucoup d'informations. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en matière d'autisme. On a parlé des enfants, enfin surtout des jeunes adultes. On peut aussi ajouter qu'à partir de 60 ans, parce que l'espérance de vie est longue aussi pour les autistes, on n'y a plus d'aide du tout, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses à faire, d'où cette émission, d'où cette sensibilisation. Donc je vous remercie particulièrement de votre attention ce soir. Merci à Sandrine et de sa présence et à tous nos autres invités, évidemment. Et je vous dis à mercredi prochain, 19 et 20 mai, donc les journées nationales de l'autisme. Merci, bonsoir.